Messieurs, dames, bonjour, bien le bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Draken, Sirivasan Studio. On se retrouve ce soir pour du Borderlands en coop, et je suis toujours accompagné de mon ami Jake. Bonsoir Jake. Et bonsoir. Du coup, on va continuer notre petite aventure sur Borderlands 1 Gothic Unanswered, et je vais vous afficher le jeu tout de suite. As-tu reçu ma demande d'ami, d'invitation, Jake? Tu n'as pas reçu ma demande d'invitation. Je l'avais pas. Alors, le son, il est bon. Tac, ça je mets en pause parce que sinon ça ne va pas le faire. Et on est bon. Du coup, notre petit planning de ce soir, comme on a rush pas mal de quêtes, enfin, on a fait pas mal de quêtes principales, on va faire beaucoup de quêtes secondaires ce soir, jusqu'à temps qu'on n'en ait plus. Et attends, j'ai le. Hop, j'ai le son du jeu qui m'embête, tais-toi la radio. Du coup, je disais, on va faire les quêtes secondaires jusqu'à temps qu'on n'en ait plus pour continuer un peu, que ce soit pas de déséquilibre au niveau histoire. Parce que bon, l'XP ça sert un peu à rien, on est déjà. Enfin, on va pas gagner de level encore plus, je pense. Donc, il donne pas trop d'XP. Mais bon, au moins, on aura fait le DLC en entier. Comme tous les autres. Moi, je dois aller faire du shopping. Où est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai une arme? Ah, le magasin, il est là-bas. Ça va, t'es ah. Oui, ça va. Tac, je vais vendre un peu des objets parce que j'avais plus de place. Ouais, non, mais c'est mes images, trucs péridiens, c'est chiant. Alors, les quêtes qu'on doit faire. Sun Sexy, The Crimson Tollé et The Ridgeway. Alors, la quête, ça c'est vers où? Crimson Tollé, et là c'est vers The Ridgeway. Ok, on va survivre aux embuscades des unités Oméga en tuant leur chef. Donc on avait déjà fait deux des groupes, je sais pas si tu te souviens, là, les ninjas qui nous attaquent. Et du coup là on va faire le troisième. Et on va prendre le monstre. Ouh, je t'éteins. Et après on ira dans l'autre partie. Attention parce que le. C'est vrai que j'ai toujours du mal à conduire les voitures ici. Hop, tac, j'ai le temps de faire ça. Je n'ai pas de drop de FPS, tout bon. Alors, on est parti. Du coup, là, on doit tac, 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 survivre à l'unité Cérésia. Oui, c'est vrai que là, c'est la grande autoroute. Donc là, je sais qu'il faut aller à droite. Je ne me trompe pas cette fois. Ouais, pas comme dans le dernier stream. Vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment. La voiture, je reviens. Hop, ce qui est embêtant, c'est qu'ils font trop, ils font très très mal les tours. Si je me mets en roule en plein milieu, ça va pas le faire. L'unité, on y arrive bientôt, donc on va devoir descendre. Déjà, hop, on peut descendre. Ouais, donc nous sommes contre la lance écarlate qui. Oh, mais non, c'est toi, c'est la vie du véhicule, d'accord.
Nous sommes contre la lance écarlate qui veut nous tuer puisque nous avons tué le... Alors je sais plus c'est quoi le nom de la grande méchante qu'on tue à la fin. Mais c'est une personne de chez Atlas. Non, Athéna, c'est elle qui nous a sauvé. Ouais, il y a Athéna qui... En fait, Athéna se rebelle pour nous aider. Nous, on veut nous tuer parce que on a tué le... Comment elle s'appelait celle qui a ouvert l'arche à notre place, en fait. Oui. J'ai plus son nom. Et du coup, c'est nous sommes ici contre les derniers troupes de Atlas qui sont abandonnés par la maison mère. Vu que l'arche était ouverte, ils n'auront pas gloire, fortune et pouvoir. Hop. Soldat de la lance. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que les survivants de la lance écarlate seront récupérés par Roland, donc mon perso avant, fonderont la résistance par rapport à Hyperion et s'appelleront les pilleurs écarlates. Les pillards écarlates. Voilà. D'accord. Avec tous les entre guillemets les survivants qui sont. Mis en mode on va devenir gentil, de toute façon on n'a pas le choix. Et du coup dans Borderlands 2 nous irons dans la fameuse ville de Sanctuary qui sera le repère de qui sera le repère des pierres écarlates. Alors les ninjas, non attention, c'est pas comme moi, j'allais mourir. Ah oui, du coup en fait, on aurait pas dû rendre la quête des cœurs en fait. Je suis bête. Parce que du coup, comme on l'a rendu, on les chope plus les cœurs, tu vois, qui nous boostaient les dégâts, etc. Ah, c'est vrai. Ceux qui nous faisaient la régène, etc. Du coup, bah en fait, on a un peu des. On a plus de bonus. Récupère les items. Le fantassin est là. Bon, la mitrailleuse elle est cheatée, hein. ça change pas. Alors, les ninjas. C'est parti. Comment on les fait spawn les ninjas? Il y a des mandaloriens. Hop. Ah. Vous allez mourir. Tiens, j'ai toujours pas regardé la série Mandalorian. Ah bon? Ouais, j'avais regardé. Si, Mandalorian, j'ai vu. Mais Boba Fett, j'ai pas regardé. Ah, alors, il faut absolument que tu regardes Boba Fett avant la prochaine saison de Mandalorian. Bah, ils se prennent pas, les mecs? Bah non, je pensais que bah, les ennemis, en fait, il nous dit le pointeur, il est là, mais. Elle spawn pas, les méchantes. Mais ouais, apparemment, oui, j'ai vu, il y a pas mal de trucs dans Boba Fett. Il faut que je. Franchement, j'ai pas eu le temps, j'ai complètement zappé après. Bah, en fait, on a fait tout ça pour rien. Ah bon? Bah, ouais, elle se déclenche pas l'arrivée des dames. Mais c'était là qu'il fallait aller? Bah, ouais, c'est ici. Alors, peut-être c'est parce que si on doit. On doit tuer le dernier mec là, le point rouge, il est où lui? Je vois rien du tout sur la map encore, c'est pas encore chargé donc. Bah je sais pas, en bas je vois un point rouge en arrière. Bah alors. D'accord, j'ai la mire invisible. Oh pardon. En fait le point il nous dit que c'est là où il y a les primes, mais elles spawnent pas en fait. Donc, est-ce qu'il faut finir le jeu complètement pour qu'elle spawn? Et je vois qu'il y a un ennemi qui est là, mais on dirait qu'il est caché dans les textures. Du coup, il bouge pas. Ils ont peur, ils se cachent. Attends, il est où? Ou alors il est tombé? On dit pas que c'est un démon d'Alorien qui est tombé. Il est où celui-là? Ben, je vois un point rouge.
par terre, tu vois par terre le point rouge? Je le vois dans un petit coin, au niveau de la route. Attends, on va descendre. Oh, je fais un Oulod, d'accord, je fais un légendaire. Ok, attends, c'est quoi un légendaire? Tenez vos positions à jamais, qu'est-ce que ça fait? Oh, c'est nul. Faire du trip. Tu le vois pas le point rouge? Il est dans la petite maison apparemment. Ou alors c'est la tour, c'est une tourelle? C'est une tourelle qu'on n'a pas pété? Bah non, tu vois le point, il vient de disparaître. C'est quoi ce bordel? T'arrives ici, il y a un point rouge et toi il disparaît. Bon après c'est peut-être que ça bug, hein. C'est pas encore trop gênant non plus, mais bon, enfin, on a fait tout ça pour rien. Vous voulez tuer du ninja, non? Ben non, et là le point rouge il réapparaît. Ou alors c'est un autre point rouge. C'est un ennemi au loin. J'entends un truc qui fait waouh. C'est les mitraillettes? Non, c'est la musique. C'est pas un truc qui me cible. Non. Bon bah tant pis, on va faire une autre quête. Hein. On l'aura sûrement à la fin. Enfin, ouais, c'est tant pis. Violence routière, c'est complètement à l'opposé. C'est parti. Allez, vas-y. Hop, on est parti. Celui-là il dit. Voilà, là, c'est la sonde. Ah, donc c'est. Ouais, c'est bien ça, c'est la sonde en fait qui nous dit qu'on a un ennemi alors qu'on a rien. Oh, tant pis, c'est pas grave. Demi-tour, ça fait un peu d'XP. Alors, ici c'est à gauche. Je me trompe pas. Et là, hop. Du coup, c'est parti pour une minute de taxi. Retournons à T-Bone Junction. Les pyromanes de la lance résistent très bien au feu. Bah, merci. On s'en doutait pas, hein. Tiens, on va passer par là. Ça va passer dans la ville. On va faire tout le tour de l'autoroute. On prend la périphérique. D'appuyer sur le bouton G, c'est le rétroviseur. C'est bien de faire attention. Ouais, mais du coup, en fait, c'est comme. Enfin, regarde, je sais pas si tu peux regarder le stream, mais en gros, quand t'appuies sur G, ça te monte pas tout de suite. Ça fait un demi-tour, donc c'est un peu compliqué. Les Ténia disposent d'une armure organique réactive capable d'arrêter net les balles. Ouais, j'ai pas le temps de dire. Frappez-les au corps à corps pour les faire céder leur barrière. Ok. Alors là, on est à The Rageway. Est-ce que Rageway, on a donc la quête principale et deux quêtes secondaires. Autant faire les quêtes secondaires. Un VBT mortel, c'est avant. Donc là, la vengeance. Attends, juste la fin. Lui, c'est un peu après. Ok. Donc on va faire un VBT mortel et on doit récupérer un numéro. Attends, non. Alors voilà. La vengeance d'une femme. On doit tuer des lieutenants de la lance écarlate. Voilà. Alors attention, tu peux déjà tirer. Ouais, il y a un ennemi. Et je pense que c'est là qu'on va pouvoir descendre, qu'on avait regardé la dernière fois là. Tu te souviens qu'on était bloqué? C'est bête qu'on n'a pas les mêmes canons que les ennemis. Ça aurait été marrant, je pense. T'as le gros canon électrique,
fait 10 fois mal. Bon, ils sont plus derrière. Alors, il faut aller sur la gauche. Là, et du coup, il faut monter. Donc. Bloquer la voiture. Là, hop, on peut descendre. Récupérons le petit stuff. C'est génial. C'est nul. Et là, on doit tuer Kyros et Typhon. Mais tiens, c'est pas les noms de mythologie grecque. Bien sûr, faut que ce soit des pyromanes. C'est super. En fait, le fusil à pompe fait du bien. Hein. Ah non, c'est quand même pas défenseur. Pyromane. Il n'a pas aimé l'électricité. J'ai encore de la place. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est génial. Oh, classe soldat. Soldat endurcit compétences. Ouais, non. Faut que j'utilise un peu plus mes grenades. J'ai pas l'habitude sur le 1. Sur Borderlands 2, je peux te spammer les grenades tellement elles sont cool. Mais sur lui, j'ai pas du tout l'habitude de les utiliser. Bah pour l'instant, sur le DLC, j'avoue que j'ai pas trop utilisé les grenades. Ouais, non, c'est... Là, bon, là, je... là oui, parce que j'en parle. Mais... Et sur enfin, dans les autres jeux, elles sont un peu plus marrantes, je trouve. Même si t'en as qui ont les mêmes effets, hein, mais bon... C'est un peu plus marrant, je trouve. T'en as, c'est vraiment des gros lance-roquettes à mort. Hein. Ce qui est le plus marrant dans le Borderlands 2, c'est les grenades à fragmentation, où c'est vraiment une grenade qui se libère en 6 fois et tout, donc ça fait vraiment des grosses explosions de ouf, c'est trop marrant. Alors, toi, pyromane. Ah oui, et déjà, fait important, dans Borderlands 2, ils ont mis des barres de vie sur les tonneaux. Du coup, on peut identifier si les tonneaux sont... On peut les péter ou pas. Bon, ouais, Kyros... Ah, c'était un... C'était un des mecs à tuer, oui. D'accord. C'est quoi ça ? Aïe ! Et du coup, il y a, voilà, les assassins... C'est les femmes qu'on doit se... Enfin, c'est la seule quête, en fait. Donc Minerve, voilà Minerve. Ah ouais, d'accord, elle m'a poussé sur la route. T'es tout seul, hein, Luc. Olé. Olé. Arrête de sauter partout. Mais oui. Allez, Pierre, viens vers moi. Attends. Surtout, ne... Enfin, j'arrive, je suis juste derrière. T'inquiète. Attends, bouge pas. Non, elle s'était arrêtée. Pars. Arrête de bouger. Madame. J'ai touché. J'ai besoin d'aide. Et c'est Blanche Ravalek, la doubleuse. Non, c'est Blanche Ravalek. Super. Je m'y attendais pas. C'est en fait, enfin, les voix là ici, je les connais. Parce que c'est les voix de... c'est des voix de South Park. Pas South Park, Futurama. Oula, je vais faire taper, moi. D'accord. C'est une des VF... Enfin, le cast d'une des VF de Futurama. Puisque, oui, Futurama a eu plusieurs VF. Des bonnes et des moins bonnes. Dont le célèbre Alexis. Bah ouais, en fait, c'était la société de doublage qui s'est cassé la binette, et du coup, bah, les doubleurs qui étaient patrons, entre guillemets, de la société de doublage, bah, ils ont pas suivi. Du coup, il y a eu des nouveaux comédiens, une très bonne vidéo de Mr. Fox sur ça, je la conseille. Mais du coup, dedans, il y avait le célèbre Alexis Thomasian. D'accord. Et c'est lui qui joue Fry dans Alexis dans Futurama, le héros
le héros, enfin personnage des années 2000, qui s'est fait congeler qui est revenu de sa congélation dans les années 3000 et quelques. Alors, pendant 1000 ans, il était congelé. Donc ça fait un peu quand même beaucoup. Donc du coup, rechercher mort ou mort. Ça c'était l'unité de Minerve. Hein. Ouais, on a fait l'unité de Minerve. Oui, du coup, il nous reste Typhon à tuer. Ouais, mais il est dans ici, Typhon. Il est encore un peu avant. Par contre, il y a une autre quête secondaire et du coup, il y aura la quête principale. On peut débloquer une partie, mais tant qu'on la rend pas, c'est pas gênant. Du coup, tout là-bas, je sais pas si tu vois si c'est chargé. Il y aura un numéripad à trouver, c'est une autre quête secondaire. Juste un peu après, il y a la quête principale, les éléments de la quête principale. Et le Typhon, en fait, il est tout au fond. Pas Typhon, Typhon l'a tué, c'est Kyros. Là, on doit descendre à pied. Non, j'ai rien dit. J'avais pas vu qu'il y avait un tremplin. Hop, un petit coup de boost. Alors, module numéripad. Le module numéripad, il est là. On va le trouver. On va le prendre. Voilà. Donc c'était juste ça la quête. Hein. Trouver un truc du numéripad. Si on continue un peu avant, on aura le code pour la quête principale. Donc il faut descendre. Il faut descendre. On va avancer un peu pour la quête principale. Il faut trouver un code, enfin des infos sur l'armurerie du général Nox. Voilà, on a trouvé les infos. Aujourd'hui, on bouffe des glaces. Ouais, des glaces. Profitrol, on s'enrôle. Oh, qu'est-ce que j'aime les glaces. Oh, merde, c'était quoi ça. Dis pas que t'enregistrais. Merde, t'es vraiment trop pas sympa, Derek. Je partagerai pas ma glace avec toi. La profiterole, ce sera pour ma gueule. Je sais, je sais. Mais... je veux juste le code d'accès. Non, Derek, c'est à toi d'avoir le code d'accès. Je suis en permission spéciale profiterole. La section 3.5.31 du manuel dit clairement... Alors, où est le code. L'avais, je t'ai vu. Putain, oh non. Oh, bah, ça craint. Oh putain, j'ai merdé, là. Ce que t'as foutu, Derek. J'ai fait le mur pour aller au World's Largest Pellet. J'ai dû laisser là. Attends, t'as paumé le code d'accès. Ce qui risque de foutre nos vies en l'air. Tout ça pour aller à World's Largest Bullet. Ouais, c'est ça. Ouf. Au moins, j'ai de la glace. Voilà, bon, j'ai rien dit pendant le dialogue. Hein, parce que voilà. Bon, normalement, on aurait dû rendre la quête principale ici. Hein. Bon, ensuite, il nous dit d'aller au World's Largest Bullet pour aller trouver le machin. Sauf que. On la prendra, on ira la rendre plus tard, on fera l'aller-retour plus tard. Et du coup, on va tuer Typhon. Encore moi. Voilà, j'ai rien de l'ox. Le général m'a envoyé une carte d'anniversaire. Il y a un dessin de dragon dessus et ça dit « Pour mon super copain, bon anniversaire. » Et le dragon crache des flammes pour allumer les bougies d'un gâteau. c'est ridicule. Ça serait comme tendre une pelouse avec une bombe atomique et puis... C'est qui me tire dessus ? Je vais devoir vous tuer pour pouvoir partir. Eh. Et si vous vous suicidiez pour me faire plaisir ? J'ai pas trop envie de faire ce qu'il me demande, hein. Je sais pas toi. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait se faire encore attaquer par des ninjas. Lance vous remercie pour votre sacrifice et veut vous assurer que votre corps sera. Alors. Ça sent mieux.
Toi, je ramasse même plus le loot, c'est ça. Hein. Moi, je suis en face derrière toi. Franchement, je. Oula, 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 par contre, là, il y a un brutal. Oui, oui. Oula, ah non, c'est deux brutales. C'est power raise, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est good. Merci, merci. Là, c'est bon, il y a un défenseur ici. Allez, Il y en a un derrière. Ah, il est derrière, en dessous, d'accord. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, le boss... Mini-boss. Commandant Typhon. Il a la tête de... Drax, dans les gardiens de la galaxie. Ah. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ils ont fait un jeu aussi, les gardiens de la galaxie, là. Bon, on va dire que tous les Marvel ont droit à leur jeu, maintenant. C'est génial. Ouais, si tu veux prendre la mitrailleuse... Bah non, du enfin, coup, de toute façon, je suis plein, donc Ah bah, les ninjas, ils spawnent pas. Bah non, tu vois, j'ai dit des bêtises, les ninjas, ils spawnent pas. Bah, tu peux prendre tout le loot, parce que moi, je suis plein. Ah, Draken est dorénavant du sud. Je suis plein, ouais. Wouah, plus cher, je suis plein. Ça c'est vraiment l'accent cliché. Plus cher, c'est surtout Marseille. Ouais, ouais. Ça va caguer, ça va caguer. Ah, je suis plein. Toi aussi? Ah, en plus, ouais. Oula, par contre, il y a un truc pour toi là. Qu'est-ce que c'est? Clash chasseur. Il est pas mal. Ah, oui, je prends ça. C'est plus sur le. Par contre, c'est plus sur la régénération de vie. Attends, faut que je jette quelque chose. Jette tout. Du coup, pendant que tu jettes, moi je vais mettre tous les items que j'ai chopés en. Qui ne servent à rien. Puisqu'ils ne servent à rien. Regardez-moi ça. Et on va tout vendre ensuite. Rajout. C'est tout bon? Module, je pose dans mon sac. Hop. 34. 28. Je vais avancer la voiture. Ah, alors, soit je garde ce que j'ai déjà avec 48% de dégâts de sanguine, soit je passe à vitesse de rechargement équipe plus 45%. Franchement, c'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Je ne sais pas. Là, pardon, tu pourrais sauter deux, là mais... Non, tu peux pas sauter. Là, hop. Ah, ça y est, la minimap s'est affichée. Je suis. C'est pas comme si ça faisait. Attends, ça fait combien de temps qu'on stream, je sais, ça fait 29 minutes. Si jamais Top Achat, ils font un concours pour un jeu PC. Enfin, pour avoir un PC. Mais, de temps en temps, j'y participe, mais Top Achat, même si c'est excellent, il y a des millions de participations. Oui. Moi, ce qui m'énerve dans ces concours, bon, après, c'est normal, ils ont raison, c'est le fait qu'ils te disent... Faut que tu partages sur Insta, faut que tu partages sur si, tu dois répondre, tu dois aller sur Facebook pour avoir plus de chance et tout. Et là, on te dit, c'est bon, je te fais de la pub déjà. Hop là. Ah. Oh la vache. Oh, j'ai le dos qui craque. Ça, messieurs, dames, mettez-vous bien droit quand vous êtes dans votre siège. Oui. Oh. Non, c'est pas pareil. Oui, j'arrive. Hop. Petit chargement, nous allons à Second Sea pour aller tuer 10 patrouilles de bandits. Donc ça, ce sera toi qui vas devoir faire le boulot, Jake. Ok. Va devoir tuer les patrouilles de bandits, donc les voitures. Donc Profiterolles. Maintenant j'ai envie de profiterolles donc. Ah, j'aime bien les profiterolles. Ah, j'aime beaucoup ça. Mais profiterolles. Avec de la chantilly. Et une mais c'est plutôt la glace à la vanille glacée avec le chocolat chaud, vraiment chaud dessus. Moi c'est chantilly boule de glace vanille. Un peu chaud, chocolat, ouais. Attends, ils arrivent, ils sont derrière. Chitapon.
Une. Maintenant, plus que 9. Et tiens, je sais pas si tu savais, mais quand tu. Tout le tour. Quand tu manges de la glace, toujours boire un verre d'eau ambiant après avoir fini de manger ta glace. Ça te. Entre guillemets, réchauffera ton palais, ta bouche. Et du coup, ça te fera une meilleure sensation. Je crois que je l'avais entendu, ça, il me semble. Moi, ouais, c'était à. Attends, il spawn où, lui? Il est là-bas. C'était un restaurant. Un restaurant, c'était le restaurateur qui nous avait dit ça. Boire un verre d'eau, alors pas glacé, mais vraiment un verre d'eau ambiant simple. Pour, entre guillemets, remettre la température de ta bouche et ça te permet de mieux digérer ou un truc du genre. Plouf. Mais non, parce que en fait, je voudrais bien faire plouf, mais bon. Déjà, voilà. Il y a la mine qu'on peut péter. Alors, ils spawnent ou pas les voitures? Il faut que je me balade. Oui, voilà, point de repère atteint. Ils n'ont pas l'air de trop spawn. Bon, on va se balader. Alors non, il y a les striders de Alpha X2, là j'ai pas envie. Est-ce qu'il y a des voitures dans le coin? Je vois. Ah si. Oula. Petit carambolage là. Musique. Yes. Y en a encore un qui va spawn, je pense. Ouais. Maintenant on va se mettre là, on va attendre que la voiture régène un peu. Je sais pas si tu peux voir la vie de la voiture, mais bon. Oui, je vois. La voiture elle fait du feu, mais c'est pas normal. Ah non, t'as amené les araignées. Ah oui, j'ai sur 2 jours de temps, j'ai trouvé 2 araignées et comme ça, mais énormes. Une dans mon salon, une dans ma salle de bain. Alors, le pire, c'est que dans le salon, je regardais la télé, j'étais couché dans mon canapé, et puis, je la vois qui traverse, en fait, mon salon. Et je fais, mais c'est quoi ce bordel? Je me lève, elle arrête de bouger. Oula, par contre, c'est un élytra, ça. Oui, il y a du loot. L'araignée a bien traversé... Oh non, il est pourri. Elle a bien traversé mon salon, j'ai fait je vais te tuer quand même, hein, je n'aime pas les araignées. Même si oui, il faut pas trop tuer les araignées, mais bon. Donc il y en avait une qui était juste sous ma baignoire. Je voyais que ses pattes qui dépassaient. J'ai fait je vais attendre que tu sortes. Mais c'était des longues pattes, des pattes courtes. Des longues pattes, c'était vraiment des grosses. Genre pas vraiment, enfin ouais, t'étais fine, mais on va dire taille, c'était pas des tarentules non plus, mais non. Mais c'était, on va dire, c'était pas les petites avec juste des pattes fines, très fines, quoi. Non, c'était vraiment des grosses avec des patines, quoi. T'es là, t'as fait dire ah non, j'ai pas envie. Bon, alors ils sont où les bandits? Est-ce qu'ils spawnent, ils respawnent ou pas? Si on va par là, est-ce qu'il y en a qui vont spawn? Non. Si on vient ici, est-ce que ça spawn? Essaye de tirer par là-bas. Voir où, pardon. Si. Parce que là en fait. Il y a une antenne. Ouais, il y a une antenne. Et justement, en fait, on dirait que la voiture. Essaye de viser en l'air.
En l'air, par là-bas, par là-bas. En face de la voiture. Un peu en l'air. Parce qu'en fait, on dirait que la... On dirait que la voiture... En fait, enfin, l'ennemi est bloqué, en fait. Parce que là, sur la minimap, tu vois que t'as les ennemis. Et on dirait qu'ils se sont bloqués dans une texture ou... Où... Je sais pas quoi... Il n'y a pas des voitures là? Non, c'est des strifers. Du coup, en fait, on peut pas les faire spawn. On va essayer d'aller autre part. Je vais aller par là. Que nous dit la map? On va essayer de prendre l'autoroute. C'est quoi qui est là? Circle of Duty. Ah, Circle of Duty, oui. C'est une petite arène. Mm. Il y a sûrement une quête. On va aller voir. Et du coup, ça fera des spawns... Les ennemis bloqués, je pense. Parce que je crois en plus il y a des succès Steam sur ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être là, parce que je crois qu'il y a des succès. Au vu de la map, ça doit être ça, je pense. Okay. Tous les joueurs doivent être présents pour continuer. J'arrive, je suis en train de charger. Attends, je vais regarder c'est quoi les succès parce que... Hop, attendez. Petit succès parce que... Alors, tac, tac, tac. Donc oui, sur le stream, vous voyez juste ma souris qui bouge, mais ne vous inquiétez pas, je suis dans les menus Steam. Vous avez terminé tous les défis majeurs. Tous les nabos sont tués. Défi de... Alors, tous les dégâts de Nox. Bah non, apparemment, il n'y a pas. Tour de piste complété en un temps record sur Ludicrew Speedway. Et lui, il donne une quête, lui ? Il regarde. Ouais, non, il donne pas de quête. Bah non, non, c'est sûrement pour après, alors. Oh, bah, attends. 606 dégâts au corps à corps. Ah, je vais être level 43. Bon, on va la garder quand même. Bah vas-y, du coup, retournons en arrière. Ah, mais du coup, non. Du coup, j'ai le temps. Ah ! Va-t'en. Va-t'en, toi. Voilà, ouvre-toi. Du coup, j'ai fait un clic droit sur mon icône Steam, et du coup, le clic droit de... Le menu ne partait pas. Ah. Du coup, je l'avais en plein milieu à droite. Ça, c'est un camion, monsieur Dame. Ah, c'est des vidéos, c'est pour rester en jeu, ça. Non, non, ça c'est des bruits d'un camion qui passe. D'accord. Bah, du coup, on va retourner faire les patrouilles des bandits. Walti Mankiki. Espérons les faire respawn. Attention! Ah! Oula! La mine! Une mine! T'es pas mort? Ça risque d'être le cas de dire, oui. Ah, ça va, t'es pas mort! Ouf, je pensais que. Ça va, t'as réussi. Mais en fait, j'étais pas assez vite. Bon, ouais, du coup, maintenant, on va à pied. Attends, on va quand même se mettre. Se rapprocher là, au moins on est. Hop, au moins on a le point de sauvegarde. Et du coup, bah, c'est... Désolé. Je pensais que ça allait passer, en fait, mais... J'ai mal visé. Où est-ce qu'il est, l'endroit pour choper la bagnole? Il est en haut, lui. Donc, c'est là-bas. C'est parti. Bon, on n'a plus qu'à foncer. Bébé,
Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais tester pour savoir si ça avait un délai ou pas. Fais des tests. Je pensais que normalement ça aurait fait bip 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 et puis ça aurait cassé. C'est pas juste. Alors, la voiture, bien sûr, elle est en haut, je crois, ou elle est en... Non, elle est en dessous, normalement. De mémoire, je crois que le spawn... Ah oui, le spawn, il est là. Oui. Par contre, du coup, mettre ma tourelle pour régène. Un petit peu. Hey, arrange ta bagnole. Alors, on fait remonter la voiture. RT. Oui, alors par contre... Vous montez avec moi, monsieur. Ben voilà, maintenant je suis debout. Oui. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire. J'ai une vision de plus loin. Legolas, hein. Que vont vos yeux d'elfe? Enfin, c'est vos yeux... Je crois que c'est... Vos... Que vont vos yeux d'aigle ou vos yeux d'elfe? D'elfe, peut-être. Ouais, c'est que vos yeux d'elfe, ouais. Parce que toujours... Au début, je pensais toujours qu'ils disaient que vont vos yeux d'aigle. J'ai vu du rouge, ah non, c'est pas bon. Ouais, non, c'est un strafer. Mais... Arrête de booster. Voilà. Bon, alors, on va sûrement refaire respawn des méchants là-bas. Si on se met là. Voilà, donc il y en a un en face. Il a le spawn. Les gens ils peuvent pas voir la voiture parce qu'il est encore en plein milieu. Avec barrage. La caméra. Je fais barrage. Une voiture derrière, non? Ah oui. Ici, je t'ai pas. Plus que 4, donc avec celle-là plus que 3. Enfin, moi je joue à Fast and Furious. Wouhou! Oui, alors je suis pas censé tenir là. La caméra fait des trucs bizarres. Je sais pas, mes pieds ils sont collés, je pense. Hein, parce que... La troisième voiture elle spawn ou pas? Ouais, non, en fait la voiture elle est bloquée, regarde. Regardez, en fait, je sais pas si tu le vois sur la minimap. Le point rouge il fait aller-retour, aller-retour. En fait, la bagnole elle est bloquée. Ah, il y en a une autre qui a spawn, c'est bon. Le jeu bugué, hein. Ça arrive. Bon, alors elle spawn ou elle spawn pas? Qu'est-ce qu'il fait? Ces âmes, ouvre-toi! Ah, mais ceci, c'est qu'on peut même pas. Quand t'appuies sur regarde, si t'appuies sur espace, je viens de découvrir ça. Tu vois le point rouge? Ah oui, un point rouge. Mais. Oui, d'accord. Oui, elle a spawn, mais sous map. Et du coup, elle sait pas comment remonter. C'est ça. C'est la première fois que je savais pas du tout qu'on pouvait faire espace pour. C'est bien pratique. Bien sûr, nous on s'en rend compte à la fin quand on a fait tout le jeu. Ah mais moi j'apprends toujours à jouer quand c'est la fin. Mais du coup le souci c'est qu'il n'y a plus d'autres voitures en fait. Donc là pour tuer les deux dernières... Bah il va falloir faire comme... Bah ouais, faut ressortir et revenir. En face. Ah oui, yes. Donc si, je suis sûr que... Il y en a encore une, non? Voilà. Oui, c'est bon. Oula, 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 oula. YOLO. Jack, vise. Bon, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup viser. Yes ça. C'est bon. Du coup... Au feu. Rétablissez entièrement le courant du Lockdown... Oula, 2-3. Lockdown Palace. Et c'est ici qu'on doit faire la quête. Payer la facture. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Du coup, il faut qu'on aille par là. Il faut trouver des bombes. Il faut
poser une charge et il faut casser une ligne électrique. Donc je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a piqué la ligne électrique du palace. Hop. Alors du coup il faut monter. Alors ça se tente. Je vais attendre qu'on ait full vie. Je te laisse tuer les drifters. Surtout que je vais attendre qu'on ait full boost en fait. Allez, c'est parti. Attention. J'espère que ça passe. Oui, ça passe facile. Et du coup là on doit descendre. Vous n'aurez plus le jack de poupe. Voilà. Bloqué dans la voiture. Oh. Wow. Ouais. Alors, je sais qu'il y avait des... Dans Borderlands 2, il y avait un ennemi. C'était justement les nabos voleurs. En fait, ils te volaient, ils te couraient dessus. Et ils te piquaient du fric, en fait. Ils te piquaient ton fric. Et après, ils se barraient le plus vite possible dans une... Dans un endroit de la map. Du coup, bah toi, si tu les tuais pas avant qu'ils ne te... Enfin, qu'ils qu'ils se barrent. Et eh ben on perdait beaucoup. Mais c'est rigolo. On perdait beaucoup d'argent en fait. Bon, au début ça va, c'est embêtant. Mais en fait, quand t'es à la fin du jeu et que t'as plus de je sais pas combien de millions d'euros, de dollars, tu te dis ouais, c'est bon, on va les laisser s'amuser. Hein. Je crois qu'il y a un abo qui est bloqué en dessous. Non, il est pas bloqué. On attend. Moi j'en ai deux là. Ah, arrêtez de bouger. C'est un boss? Non, c'est du... Non, c'est des... C'est des nabos. Des nabos brutaux. Où ça? Là, ouais, c'est sur moi, je viens d'en tuer. Hein. Ah. Il y a des spawns alors. Non, parce qu'il y a encore des étages. Ah oui, c'est vrai, il y en a là. Du coup, on doit aller là... Là. Oula. Oula. Il y a une case rouge, tu l'as vu ou pas? Non, j'essaie juste de. Oula. Elle est où la case rouge? En face. Ah non, je sais pas, j'ai. Ah oh, les bruits! Tu les vois pas? C'est des Team Pux! Ils arrivent. Oui, là-bas, il y a un abo brutal. Ouais, c'était un comme ça. Oui. Et wesh, il est stylé quand même. Hein. C'est en dessous encore. Ah oui, d'accord, oui, ils sont en dessous, ils sont bloqués entre les murs. Ouais, mais non, là, du coup, il y a... Non, je suis tombé! Non. Ah, mais en fait, on aurait pu passer par en dessous, il fallait tout remonter. Mais... C'est quoi ces murs invisibles? Bon là c'est les Sky qui sont en train de se battre entre eux là, avec les nabos. Ils ont tellement... Les Skags, c'est leur monture. Ils montent sur les Skags? Non. Oui. Voilà. Bon vas-y, ouais, laisse-le. On va aller chercher les bombes parce que sinon on n'a pas fini. Hop. Hop, on a trouvé une bombe. Maintenant, il faut faire péter. Il faut poser la charge et il faut faire péter la ligne. Il me stresse à gueuler comme des fous là. Je les chire depuis tout à l'heure.
T'es où? Attends, vas-y, je pense qu'il faut qu'on remonte. Là, je suis là. Attends, viens là. Ah oui, c'est bon, je l'ai pris, je l'ai vu. J'ai même pas vu pas. Oh, non, je l'ai pris. T'es un ninja. Du coup, on va aller poser la charge. Mais en fait, du coup, on est passé par en haut, mais on aurait pu littéralement tout remonter. C'est la voix des mignonnes. Non, c'est, je dirais plus des chipmunks. Après, oui, c'est peut-être les mignons aussi. Enfin, c'est sûr, c'est une voix très. C'est une voix accélérée. Oui, oui. Après, oui, ça fait très mignon. Alors, il faut aller poser la charge par là-bas. Ça, c'était un deuxième camion. Alors, apparemment, ici, je crois qu'il y a... Enfin, après, il y aura une course. Ici. Alors il faut descendre par là. Il faut aller par là. Là on va, je pense, poser la charge. On va devoir la défendre ou un truc du genre. Alors il faut. Ouh. Alors je sais pas si ça passe. Je vais mettre en haut à fond. Attends, comment on fait pour passer là? Aïe. Comment on fait pour passer en dessous? Elle va où cette route? Ah non, d'accord, on peut pas passer par là. Je pensais qu'on allait passer par là, mais non. Il faut faire. Maintenant, comment on fait? Ah, il faut. D'accord. Ah, ok. Ouais, je comprends. Il faut descendre et après il faut faire pareil ici. Il faut monter tout là-haut en fait. Je pensais qu'on allait pouvoir passer par l'autoroute comme tout à l'heure là, faire un jump. Mais non. En fait, il faut passer par ici. Et il faut monter ensuite. Ok, parti. Il doit encore avoir des ennemis partout. Là, c'est des malabar. Cible touchée. Il y en a un qui est bloqué dans le mur là. Une autre encoche sur moi. Hop. Pas mort. Alors montons en haut pour aller piquer la ligne électrique. On monte par où? Il faut monter par là. Normalement tu vas choper plus d'argent que moi avec la force. Enfin, tu ramasses tous les items. Je vais te friquer. Hop. Alors, les loot. Voilà. Alors, je viens d'avoir un frisson là, c'est horrible.
Oula, oula, oula. Oula, buzzer brutal. Encore un ennemi derrière. Ah non, mais c'est pas mal. Hop. Et du coup, la ligne électrique est juste là. Donc ça va péter. Allez, pète. Ah non, il faut aller en bas pour l'activer. Ok. Sautons. Il y avait une caisse rouge en fait. Ah. Bon bah vas-y. C'est une arme iridienne. Oh. Avec la description piou piou piou. Yeah, comme ça, hop, moi j'ai fait péter l'électrique. D'accord, il y a une voiture méchante en bas. Oh c'est bon, elle va pas nous embêter. Alors, il n'y a pas de dégâts de chute, hein. Il y a un petit peu, mais t'inquiète pas. C'est que ça va tomber sur ton bouclier, t'inquiète. C'est bon. T'inquiète toi, ça c'est... Tu veux l'arme iridienne? Oh non, t'embête pas. Franchement, là, mon stuff, je suis très bien stuffé. Ça passe tranquille. La mitraillette, elle fait énormément de dégâts. J'ai le fusil à pompe qui fait aussi plein de dégâts, qui fait très de dégâts. Donc, c'est les deux armes que j'utilise principalement. Donc, et bah, du coup, on va aller rendre la quête principale. Enfin, pas la quête principale. On va aller rendre. Bah, si, de toute façon, on va aller prendre notre quête principale vu qu'on passe par devant. Non, c'est pas ça que je voulais, pas cette touche que je voulais faire. Et on va aller rendre nos quêtes secondaires à T-Bone Junction. Du coup, on va aller chercher nos profiteroles, notre glace à la profiterole. Mmh. Hop. En plus c'est parfait comme ça, c'est pile en face de... C'est pile sur la route. Après il va nous demander de faire demi-tour, mais bon c'est pas grave. Et du coup, il nous restera normalement plus que deux groupes à tuer, mais ça, je pense que les deux groupes, ils vont spawn quand on aura tué le général Nox. Parce que le général Nox, il donne énormément de loot. Enfin, après le général Nox. Hop. Ah, mince. Là on peut descendre. On va aller prendre notre quête. Alors, ne fais pas comme moi. Parce que j'ai failli mourir. Non, j'ai pris l'escalier. Hop. Donc on a trouvé une piste pour trouver le code et du coup il faudra aller le World Largest Bullet. Pour obtenir le code, et celui-ci se trouve de l'autre côté. Hop, à ce can-ci qui est là d'où on vient. On fait quoi? On fait la quête principale et on va rendre les quêtes secondaires, ou on fait l'aller-retour? Ah, moi je te suis. Hein. Bon, vas-y, on va faire prendre la quête principale tout de suite. De toute façon, on va devoir la rendre. Casseur de code, le temps, c'est de la balle. On va trouver notre code, et quand on aura trouvé notre code, après on retourne à T-Bone Junction et on va tout rendre. Ah, il y a du mal à tourner la voiture. Sinon, en fait, on aurait dû tout retraverser deux fois pour revenir un peu autour de côté. On aurait pu la prendre tout de suite, non? Je crois qu'il nous en reste encore deux ou trois.
Dommage qu'ils mettent pas la radio sur les voitures. Sur les voitures. Hop. Bon alors, il est où ce code? Alors, le code, il est par là-bas. C'est parti, mon kiki. Hop. Donc on doit faire tout le tour et on va devoir rentrer par là. Voilà. Monsieur, vous n'avez toujours pas essayé encore. Qu'attendez-vous? Oui. Vous craignez les effets secondaires? La pub. Allez-vous laisser passer la femme de vos rêves à cause d'un petit furoncle purulent? Essayez en gorge et purulez toutes vos envies. Rapport de situation. J'ai toutes les pièces nécessaires et la mission suit son cours. Le détonateur devrait être prêt quand vous aurez découvert le code. Terminé. Alors... Verti. Oula, faut tuer le sonneur brutal s'il y a de lance-roquette. C'est nickel. C'est génial. Aïe. Ben je l'ai tué en le brûlant. Ben c'est cool, il y a un magasin. Oh. Tu l'as pris? Ah bah oui, tu l'as pris. C'est nickel. Mission accomplie. Retrouvez-moi avec le code à notre point de rendez-vous précédent. Ouais, donc on ira... Ah bah si, de toute façon, en plus, c'est où? The Crimson Tollé? Non, ah non. Il faut aller à T-Boy Junction, donc bah... Let's go. On retourne au spawn. Attends. Vas-y. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas une... Il y a pas un endroit pour stepper, mais non. Ça marche pas. Faire quoi? J'ai un truc bizarre, là. Putain, j'arrive. Regarde. Qui a? La porte. Bah non, faut faire utiliser. Bah je l'ai essayé, ça m'a rien fait. Ah c'est peut-être pour après, genre si tu donnes des sous, une quête secondaire, genre si tu donnes des sous ou un billet spécifique, t'as un ennemi qui va. D'accord. Qui va spawn. Ouais, c'est bizarre qu'il te met le E de utiliser alors qu'on peut pas. Alors, retournons à Thibault. Ça c'est pour les voitures. J'allais dire c'est un lieu de TP, mais non. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais dû prendre l'autre bagnole. On aurait été plus vite. Bon, c'est pas grave. Au moins on a plus de vie, on est sûr de pas se faire one shot au premier tir. Donc là on va aller rendre toutes nos quêtes secondaires, on va en débloquer plein je pense. Et il y aura aussi la quête principale. Par contre ce qui est bien, enfin c'est là qu'ils ont entre guillemets vu leur erreur, c'est que ici tu vois t'as pas d'endroit pour stepper. Alors que dans les épisodes suivants, en fait, quand tu changes de zone, t'as toujours au moins un gros TP dans chaque zone, même dans les DLC, pour, tu vois, switcher de zone assez rapidement, comme là, ça nous évite de traverser 50 trucs. D'accord. En fait, dans chaque map, t'assures un téléporteur pour t'y TP, quoi. Bon, tu les il y en a, tu les débloques au fur et à mesure, hein, mais de l'histoire, c'était normal. Mais, c'est beaucoup plus pratique.
Hop. Que tu dois tout retraverser, c'est super. C'est super long. Ah mince. Là, j'ai les textures qui chargent en fond, c'est horrible. Ça fait moche. Avec le, tu vois l'objectif avec la moitié des textures qui chargent en fond. Ah, c'est pas possible, j'ai vraiment du mal avec les voitures. Oula, non. Allez, je la dépasse parce que sinon... Ouais, oula, oula. Ça c'est quand tu sors du... Quand tu sors du rétroviseur arrière. En fait, comme tu sors... Quand tu fais ça et que tu sors du rétroviseur arrière, tu veux dire, ah, c'est bon, je vais me mettre droit, mais non. Ça passe pas. J'appuie que sur le bouton. Mince. Voilà, c'est bon, on arrive à la ville principale. On va être bon. On peut descendre, Descendons. Bah let's go aller rendre les quêtes, tableau des primes. On en aura pas mal quand même. Alors, il y en a deux pour le moment. Voilà. On a du coup grenade à transfusion. Elle voit la santé des vies et vous soigne. Ouais. Là, il y a deux quêtes. Ah bah, il y a les deux quêtes et puis... la quête principale, enfin, du coup je m'agène. Ce qui est embêtant, c'est que je gêne pas ma vie. Hop. Donc parlons à Athéna. Hey, fais gaffe où tu mets les pieds. Voici le détonateur. Il faut rendre les coups à Atlas. Je suivrai votre progression et je vous aiderai d'ici. Faut lui parler à la vie. Ah oui, c'est vrai. Alors, merdouille et escagouille, tu as réussi, tu es vraiment un sacré cran. Ok. Et du coup, là, t'as une quête, là, Athéna. Tuer les lieutenants de la lance écarlate. Voilà. Alors, et du coup, maintenant, il faut tuer le commandant Ajax. Ok. Et on va récupérer le détonateur. Eh, je suis un peu débordé, là. Mais je vais m'occuper de toi. Donc, la bombe d'Athéna, bah, il faut lui rendre. Ok. Code obtenu, détonateur obtenu, en route pour l'armurerie. Hé hey, chérie, j'ai du travail pour toi. Ah. Tu me vois ? Voilà, donc on a des quêtes en plus. Donc activer le pont électrique pour atteindre l'armurerie. Ça c'est la quête principale. Trouver des communications du général Nox. C'est une quête secondaire. Là, c'est cool, on a débloqué les dernières quêtes secondaires. Bon bah salut. Donc là. Et il faut qu'on aille voir Moxie. Qui est dans sa dans son bar. Et ici, drifter. Abattez la tour. Les habitants du coin ont percé un drifter plus grand et plus enlevé de la tour. Il est très dangereux, essayez de l'éliminer. Ah bon, on l'a fait tout à l'heure. Alors si je regarde la carte. Là c'est où? La vengeance d'une femme partie 2. Et bah c'est parti. Donc
on va faire respawn la voiture. Donc là, on va devoir tuer Ajax. D'accord. Et voilà. Hey, t'es prêt à y aller ? Alors, par contre, on va prendre la voiture qui va vite. Je suis motorisé. Ça va faire vroom vroom. Ça va être un peu plus rapide. Oula. Et Ajax, je sais plus. C'est. Bah après, c'est un méchant dans Marvel. C'est... Il y en a plein des Ajax. C'est. Dans la mythologie, c'est la guerre de. La guerre de Troie. Ah oui, c'est vrai, le roi. C'est pas le roi Ajax ? Ça, je me disais, il était dans la mythologie, mais je me souviens plus de qui. Le roi Ajax contre le roi Agamemnon, je crois, c'est ça ? Je crois que c'est ça, oui. Oula, oula, oulala. Oula, oh, merci le mur invisible. Oh, merci le mur invisible. Oula, parce que là, il faut qu'on évite rapidement. Ah, mais c'est pas vrai! Ne don't panique. Ah, parce que c'est comme on est une petite voiture, on est une chips. Il y a une caisse rouge sur le bout. Ah, bah attends, on y retourne. On doit faire demi-tour. Hop, t'avais pas le temps de parler. Ah oui, je crois que c'est par là en plus qu'elle est Moxie. Secret final. Final boss. T'as vu ? Oui, je l'ai vu. Ils sont vraiment cons. Je crois que c'est vraiment le chemin. Gant de la haine. Secret final boss. Ils sont bêtes. Ah, mais non, c'est dans, c'est dans le DLC 4 qu'il y a Terra. Chromerax. Ceci, c'est dans le dernier DLC, je crois. Ouais, en plus, bah, c'est bien, il y a un Moxie Red Light, donc on va pouvoir aller prendre les quêtes chez Moxie. Rhodes End, mais non, mais. Rhodes End, Drifter, Rockensy. Allez, c'est parti. On va aller prendre les quêtes chez Moxie. Hop. Moxie, il faut descendre. Moxie. Oh, c'est pas ce que je voulais faire. On va retenter. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mais. Ah, oh, sérieusement. Ajax, il est par là. Mais sérieusement, la voiture qui aime pas quand on va à gauche. Moxie, comment on monte déjà chez Moxie ? Ah oui, c'est là. Ah oui, on doit y aller à pied en plus. C'est vrai. On doit y aller. Espèce de salopard. Alors, quelle sera ta quête, Moxie ? Hop. Tu me dis quand je peux TP. Vas-y, vas-y. Alors, elle est où? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Cascade sidérienne. Effectuée sidérante. Effectuée une boucle. Je travaille quelques temps pour un nouveau spectacle motorisé. J'ai besoin de quelques idées de cascade.
te faire ça, donc s'il n'y a pas de souci. Alors du coup c'est par là, c'est par là, ok. De l'autre côté du pont. Bon. Parce que j'ai annulé un menu. Donc apparemment c'est ici qu'on doit. En fait c'est dans la dernière zone qu'on doit activer un pont. D'accord, ouais, en fait c'est ça. Il faut activer un pont et c'est ce pont là qui va nous ramener dans les zones où il y a les quêtes secondaires. Donc du coup, bah let's go. Alors le plus simple, c'est de sauter. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ferme les yeux, continue. Voilà, ranger ta tire. Je grimpe. C'est quoi? C'est... What? Attends, on a une nouvelle voiture? On y va. Ah bon? Le lanceur. En fait, c'est les voitures qu'ils ont les autres. Je n'avais pas vu qu'on pouvait la débloquer. Tu vois ceux qui nous font énormément mal? Ouais. Bah voilà. J'aime bien son design. C'est cool. Alors quand t'avais le voilà, ouh. Ah ouais, on va pas très vite, hein. Ah, du mal, du mal. On doit passer, bah on doit descendre. On est déjà arrivé. Attends, lanceur de... poseur de mine, d'accord. Du coup c'est par ici. Donc on doit activer un pont, ce qui va nous permettre... Ah oui d'accord, le pont va être là au-dessus, et du coup c'est ce qui va nous permettre de pouvoir passer. Et du coup on arrivera à la dernière zone, entre guillemets. Bien sûr. Il y a un... Il est où? Il est caché. Armé d'un lance-roquette. Ah, et je viens de passer un level. Donc on a activé le pont. Voilà. Vous allez vous occuper de l'armurerie. Entrez dans l'armurerie d'Atlas et détruisez-la. Bon. Bah je me suis trompé. Je croyais que vous seriez sympa et que vous m'aideriez. Vous n'imaginez pas toute la merde que je dois me coltiner ici. L'amiral vient de me faire un sandwich avec une chaussette et du chewing-gum. J'en peux plus. Bon bah... Je dois vous tuer. Désolé. J'ai un peu de la peine pour lui. Mm. Alors, on va mettre ceci. Je suis pas là. Ouais, je sais, je me mets droit. Toujours pas là. Ah, je pensais que c'était dedans. C'est bon. Ah, ouais, j'ai vu l'animation de TP, mais c'est bon en fait. Donc il faut monter par ici. Ça passe pas. Oui, faut passer à droite. Recule. Ah bon ? On peut passer à droite ? Ah, j'avais pas vu. Ouais, je suis bloqué. Ah non, on peut pas passer. Mais ce que je me disais, on est obligé de sortir. J'adore ça. Ah non. Allez. On arrose et on les crève. Tu peux pas tirer? Ah, c'est peut-être parce que t'as le bug comme t'étais dans la voiture ou un truc du genre. Allez, traversons le pont! Le beau pont! Tout en texture du futur! Ah oui! Par contre, on va pas prendre. On va pas prendre la quête Rhodes Rend, on va prendre ça. Il y a encore deux zones à prendre. C'est chaud, c'est stylé, cette. Enfin, c'est la façon du pont. Non, mais là, parce que j'ai pas confiance. En vrai, attends, je crois que c'est dans le 2 en plus qu'il y a ça, où vraiment tu traverses un pont et il te coupe le pont en dessous au moment où tu traverses, je crois. Je sais plus. Alors, Rhodes End, donc soit on doit tout traverser pour aller à l'armurerie, mais ici on a des quêtes secondaires. Bah
là pour l'instant, je charge. Et les quêtes secondaires, ben, juste à les suivre. Ah bah, regarde sur le stream. Regarde le beau bug. T'as pas vu? Attends, là j'étais sur la carte, les listes de quêtes. Regarde comment t'es. Ah oui, en effet. le bon petit bug de spawn. Bah, en fait, c'est à ce moment-là que tu sais que je charge. Non, mais je pense en fait c'est que... Oui. Oula. Oh non, les ninjas. Ah bon, on a... survivre à l'unité Cérésia, d'accord. D'accord. Elle est là, Cérésia. Et si tu remarques, c'est toujours la même doubleuse. Hein. Le premier journal du général Knox. Rapport du général Alfonso Knox à l'attention de l'amiral Mikey. Je viens d'arriver sur Pandore. Et j'ai commencé mon enquête pour élucider les causes de l'échec du commandant Steele. Et où est Steele ? On va aller sur un tentacule de calamar géant. Amiral, j'attends de nouveaux ordres au plus vite. Je vous recontacte la réception. Terminé. Et je crois qu'ils vont jamais le contacter en fait. Bah du coup c'est parti, allons chercher le deuxième... Alors est-ce que c'est un trou ou pas ici? Ah bah non. On peut traverser. Bah traversons, hein. C'est pas très difficile. Alors... Rapport du général Alfonso Knox à l'attention de l'amiral Mikey. Oula. Il faut vraiment dire tout ça à chaque fois. Ça fait beaucoup de blabla juste pour vous tenir informé. Droite. Attends. J'avais commencé à stocker des armes pour ce que je croyais être ma mission. C'est-à-dire occuper Pandore afin d'assurer notre mainmise sur la technologie extraterrestre à la base de notre domination intergalactique. Lorsque j'ai reçu un paquet de vous portant la mention Ordre Urgent, il contenait un best-of. 14 éponges et ce qui ressemble à du chocolat fondu. J'espère que vous rectifierez rapidement le tir. Terminé. C'est ah n'importe quoi. Oui, je comprends son désarroi. Le mec, il prépare l'invasion de la planète. Et tu lui envoies quoi? Des chocolats et un bout d'éponge. C'est tellement ça, tu m'étonnes qu'il est blasé. Et le pire, c'est à chaque fois, il doit être comme là, il dit à chaque fois, il doit dire Général Knox ou Colonel Mikey. Hey, t'es prêt à y aller? Oui. Prends le véhicule. Alors. Bah non, mais en fait, on peut pas passer par là en voiture. Aïe. Je comprends pas, moi. C'est quoi qui... Je tire... Tu lances des mines. Je comprends pas. Tu lances... C'est des mines, en fait. Alors, quand tu es en dessous d'eux, il faut viser les furoncles. En fait, c'est eux les pires ennemis. Bah du coup, en fait, c'est rien qu'on prend la voiture, je pense. On peut juste passer par là. Ah, on a des nains, on a les nains avec les skags. Il y en a trois sur un skag. Oula, le jeu commence à laguer là. J'ai viens de passer à 3 FPS. Ils font mal, ils font trop mal, ouais!
C'est des skags sur des skags, quoi. Allez. On va se mettre là, on va se régénérer un peu. Vache, j'ai tellement mal optimisé que ça. Allez, c'est parti. Trouvons le troisième écho du général Lux. Que va-t-il nous dire? Ils me font vraiment penser au Seigneur des Anneaux sur leur skag. Ouais, d'accord. C'est les orques sur leur warg. Par contre, désolé le stream, hein. Mais ce n'est pas mon PC, c'est le jeu qui est mal opti, qui bug, hein. Souvenez-vous des premiers streams que nous avons eus. On a dû relancer certaines parties parce que il crachait le jeu. Alors, par ici. Oula, il doit y avoir sûrement un truc. Une petite maison comme ça. Bah oui. C'est quoi? Radar transpondeur d'Atlas. C'est une quête? Ça a l'air. Ah ouais, oui. Utilisez le lanceur pour trouver les caches de matériel. Vous avez trouvé un appareil étrange qui semble être un radar spécial pour le lanceur. Voici ce qu'on peut lire dans son mode d'emploi. Une fois installé, ce transpondeur permet au pilote de trouver les caches de matériel d'Atlas. Ok. Bon, du coup, cache 1, cache 1, cache 3. Ah oui, d'accord, du coup il faudra suivre le radar. Bon, on fera ça avec la voiture, je pense. Trouvons les échos de monsieur. Ah oui, mais du coup j'ai. Non, non, non. Mais peut-être pas partout, non. Bah ouais, mais je pensais qu'on pouvait. Bah c'est pas grave. Bah du coup c'est pas grave, je suis juste à côté d'un lanceur. Hey, arrange ta bagnole. Je grimpe. Alors. Ah, oh. Oh, c'est sympa. Attends, parce que moi je sais pas du tout où t'es. Retourne en arrière complet. En arrière complet. À droite, à droite, à droite. Non, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tout. Tu, je sais pas si tu le vois, mais il y a un petit radar. Il voit pas qu'il tire sur moi. Bah tu verras dans la voiture, peut-être que tu fais, faut être que en conducteur. En gros, il y a un système de genre de radar. C'est trop cool. Je le vois affiché, ouais. Eh bien, bonsoir, monsieur Widjus. Il est devant toi, là. Ouais. Bonjour, oui. Pardon. Alors, donc, du coup, non, c'est pas par là qu'il est le butin. On prend vraiment pas mon arme de voiture. C'est des mines, mec. Mais ça veut dire que quand je tape, ça te. La voiture et un nombre de chocs et ça fait pas de dégâts à la bagnole. Oui. Donc c'est une voiture au corps à corps. Attends, on est d'accord que plus ça se baisse. Fais tire. Ah, le truc en bas là. Attends. Ah non, d'accord. Oui. Wow. Oh, oh. C'est un peu on fait de l'archéologie maintenant. Je te laisse prendre deux armes. De l'archéologie comme dans WoW, mais on aurait peut-être mieux fait. Donc là, on a trouvé... On a trouvé une... Alors c'est peut-être une seule cache par map. Ah non. On a une autre. Là, stop, recule. Oui.
Voilà. En effet. Donc on a trouvé la cache numéro 3, il nous manque encore la 2. C'est stylé comme... Ouais, j'aime bien. Je crois que c'est la meilleure quête qu'on a eue. En fait, on a trouvé la cache 2 et 3, il nous faut la 1, 4, 5. Pendant ce temps, t'as les araignées là-bas qui sont en train de faire une chorégraphie très contemporaine. On met une petite musique là, en fond, là. Alors là, Ajax, il est là-bas, la fin de Nox... Il est à côté d'Ajax. Ok. Alors, trouvons une autre. C'est pas par là. Ah oui, d'accord. Wow, non, mais non. Mais non. Mais si, c'est ce qu'il faut faire en plus. Vas-y. Sors de la voiture. On va tuer le Strider là. Je pense que c'est le mieux, c'est. Bah, il est où? En fait, il est coincé dans le mur. Ah. En fait, il faut qu'on. Ça, c'est la quête de Moxie. En fait, il faut faire. L'araignée là? Non, le tremplin. C'est parti. Il faut... Alors, on va faire le racer. On va apparaître le véhicule. Regarde. Mais c'est pas un tremplin, c'est un looping. Oui, mais justement, c'est ce qu'elle veut, regarde. Yeah. Pas dedans. Ouais, je sais. J'arrive. Ah. Ce n'est pas un simulateur de vol. Vas-y, viens. Ah! Mais ça m'a pop dessus! Donc. On va juste se barrer le temps de régénérer un peu. Et j'ai fait un défi, simulateur de vol. Donc je pense que tu vas pouvoir faire le même, je pense. C'est-à-dire? Ah oui, ok. Ça va chez mes 10 ans à régène, la voiture. Pendant ce temps, on voit toujours mon oiseau. Ah non, elle a des pops, ça y est. Non. Donc il faut. Il faut un petit boost. Donc attention. Waouh. Voilà, donc on a fait la mission cascade. Donc on a fait la cascade de Moxie. Et maintenant. Waouh. Est-ce que tu as eu un succès? On va tomber. On va... T'inquiète. Tu as eu un succès non, ou pas? Non, j'ai pas eu de succès. Sérieux? Ouais. Oh. Bon bah du coup on va retourner à la voiture, on va aller prendre récupérer le lanceur avec le radar. Le dragon radar. Sortons de la voiture, monsieur. Les casse rouge. Oui, je l'ai pas vu. Il est un peu gratuit, hein, ça. Bon, chasseur. C'est toi le chasseur, je crois, en plus. Je pète. Je te la laisse. Peut-être que... Peut-être pas être utile. Arrange la bagnole. Le lanceur, on fait apparaître le véhicule, on va dans la voiture. Alors... Non. Ok. Trouvons... Ah. J'ai trouvé. Tue-le, hein. Jake, non, en face, Jake. J'ai l'impression de faire plus de dégâts que...
Attends, parce que j'ai... Allez. Ah, t'avais plus de vie en fait. Il est au-dessus de moi, je le vois pas. J'ai tué, t'inquiète pas. Hop, c'est bon. Faut aller récupérer la voiture. Alors, apparemment, il y avait une cache pas loin. Avancer, il faut récupérer la voiture. Récupérer la voiture, on nous a volé la voiture. Kikor. Alors, le lanceur, faire apparaître le véhicule, téléporté dans le passager. Par là-bas. Non. Je comprends pas comment il fonctionne le radar. C'est plus ça grossit, plus ça. Ouais, c'est bon. Plus ça grossit, plus ça... Si on s'en éloigne, plus ça rapetissit, plus on s'en rapproche. Super, je m'y attendais pas. Tu le vois la zone qui grossit et qui rapetisse? Oui, mais j'avais pas compris le système. Et quand on est en... En fait, c'est un genre de viseur, en fait. Et quand t'es sur la caisse, il te met le viseur dessus. Oui, il nous en reste combien des caisses, attends? Deux. Ah oui, deux. Là, c'est la fin de la map. Oui, il y en a une pas loin. Non, donc elle est au-dessus. Ah bah d'ailleurs. Tiens, Jack. Mais tu fais clic droit ou clic gauche? Bah les deux. Non, fais clic gauche. Et clic droit. Ça change rien. Mais c'est pas normal, tout à l'heure t'arrives à tirer. Mais là c'est la mine. Ouais, mais fais pas les mines. Ah mais attends, tout à l'heure j'avais mis aussi les mines. Mais tout à l'heure j'ai pas changé l'arme. Attends, on va faire spawn le véhicule. Tout à l'heure j'ai pas changé d'arme. Type lanceur. Ils sont... Elle. Oh, je vais mourir. Mais non. Là, l'arme qui est mise en place là sur le machin, c'est pas des mines, c'est ça que je comprends pas en fait. Ah mais oui, mais c'est parce que t'as pris la place des mines. Mais c'est une voiture 3 places. Mais oui. Regarde, ta place mitrailleur. Oh. Et à gauche, ta place poseur de mines. Mais je prends quoi? Bah tu prends le mitrailleur, c'est plus simple. Oh. Mitrailleur. Oui. Voilà. C'est mieux comme ça.
Bon, du coup, il est où? Elle est où cette... Plein dans cette point écho, il y a Flax. Elle est où la caisse? Il faut que le cercle rouge soit plus petit. Ouais. Pas fou, on est d'accord, elle est dans le coin. Ah, parce que normalement il nous le... Tout à l'heure, quand t'as trouvé la caisse, il y a eu un truc spécifique qui est apparu. C'est ça. C'est les mines. Mais j'ai jamais lancé ça, moi. Mais tu vises comment? Je comprends pas comment tu fais pour viser. Attends. Je sais même pas si je vise en fait. Ah non, attends. Il y a poseur de mine, il y a place artificier et place mitrailleur. Ah oui, donc c'est vraiment une 4 places ici. Et moi j'étais bien sur l'artificier, j'étais pas du tout sur le... Ah oui, c'est ça. On apprend à jouer. Par contre là, le truc de la caisse, je comprends pas. Ça fait quoi si je vais dessus? Ah c'est... Mort. Ah ouais, j'ai... Après, je pense que t'es plutôt mort parce qu'elle a explosé avec le temps. Ah bon? Ouais. Parce que regarde, toutes les autres, elles ont explosé aussi. Par contre... Je ne comprends pas le truc de la caisse. Là. Ah la vache! Mais pourquoi il me le visait pas, alors? Je sais pas, j'ai juste marché dessus. Voilà, GG. Et là combien? Conducteur, donc prends bien un mitrailleur. Il nous en manque plus qu'une, il manque la première cache. Ok. On l'a déjà fait. Ah, ça t'affiche quand même celle qui m'ont dit fait. Ah non, c'est juste que c'est en vert. Ça devient de plus en plus vert. Donc, comme on voit qu'on l'a ouverte. D'accord. J'essaie de regarder peut-être là-bas. Peut-être au spawn. Donc, une caisse. Non. Non. Il y en a du loot. Après, quand c'est déjà ouvert, ça devient un peu vert. D'accord. C'est pas pareil. T'as essayé en bas là? Ouais, bah c'est là où on avait enfourné, tu vois, ça dit un peu vert. Ah oui, hein. Là on l'a eu. Là y a rien. Ouais, bah je sais.
sais pas où est la dernière. Ça, on l'a eu. Elle, c'est celle du tremplin. Je vais tourner par là pour voir, mais... Ah non, c'est toi, il en restait une. Hop. Je descends. Elle est où ? Je sais pas. Mais vu que j'ai réussi à la trouver à pied. Ouais. Ah ouais, GG. Bon voilà, on a trouvé toutes les caisses. C'est bon, jour de chance. Du coup, cette quête-là, on doit la rendre où ? Il y a deux modes de chasseur. Ah donc ça c'est à T-Bone Junction, ok. Bah du coup on va trouver les derniers journaux de Ajax, de... Non. Les derniers journaux de Nox. Ok, alors attends. J'ai plein de modes chasseurs sur moi là. 34, 31. Je vais mettre ça, ouais. Hop là. Non, t'es dans le truc de mine là. Ah mince. Vas-y tire. Comment on vise ça ? Voilà. Dans l'artificier plutôt. Ah, ah bah c'est pas la mine. Alors je normalement je crois que si t'appuies sur V, tu peux changer de place. Non. Ça doit pas être V, non. Non, je sais plus c'est quel. Sartong, je vais te heal. Voilà. Donc là, il y aura Ajax et le troisième écho. D'accord. Du coup, ça va être la fête des fleurs. La fête des fleurs, Ajax. Oui. Oh là 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 là. Rentre là. Oui. En plus, on est le 29 mai. Non, elle est pas 29. Pas 29 mai. 29 avril, bientôt. Bientôt le 1er mai. Oula, c'est quoi ça C'est bon, c'est RS. Ouais, c'est bon, je suis RS. Ouais, c'est quoi les boss là? Y en a d'autres? Oui, y en a plein, y en a. C'est plus Ajax qui m'embête. T'inquiète. Hop. C'est où ? C'est bon, je suis raise. Non. Ah, le 20 FPS quoi. Pas de raise. T'inquiète. Est-ce que ça passe ? Où ça passe ? T'es où ? C'est bon. C'est bon, j'ai mis mon... Il reste plus qu'Ajax. J'ai mis ma tourelle. Il est coincé dans un mur. Tant mieux. Ouais, contre un mur. Allez, crame. C'est lui ? Voilà, c'est lui, oui. Parfait pour botter... pour botter le collecteur. Lis la description de ce que j'ai dit. Parfait pour botter le cul d'Hector, Ajax Spear, la lance d'Ajax. Oulala, retraite. Wow. Est-ce que j'ai une arme une arme corrosive ? Il arrive. T'inquiète. Je vais le défoncer. Ouais,
C'était vraiment robot, hein. Et je sais pas pourquoi, je sens que le boss, ça va être ça. Hein. Voilà. Donc en fait... Cœur de vitesse de la lance écarlate. Bah ça y est, en fait, on les chope quand même, les cœurs. Bah toi, je vais pas te garder. Toi, je vais pas te... par contre, toi, je te garde, la mitraillette corrosive. Si jamais t'as une arme corrosive, garde-la. Hein. Ok, tiens, tu veux du lore, cadeau. Rapport du général à Alfonso Ptax à la mire. Et puis merde, je dirais pas le reste. Toujours aucun nouvel ordre. Alors que j'ai achevé la réoccupation des avant-postes de la lance écarlate, qui contrôle le réseau routier afin de sécuriser nos lignes de ravitaillement et l'accès aux dépôts. J'ai également distribué à nos soldats le nouvel équipement à économie d'énergie, réduisant notre consommation de 12%. Amiral, j'attends de vous un ordre de mission complet dans l'heure, ou j'en référerai à l'échelon supérieur. Terminé. Bah du coup on continue. Et pour continuer, bah... En fait, le dernier, je pense que le dernier écho se trouvera... bah, il est juste avant le, la grande armurerie. Hein ? Donc, bah, let's go. Et je pense qu'on va finir le DLC ce soir. Hein. Parce qu'il reste plus qu'une seule unité. Donc, je pense que l'unité Hélicon, ça va être là. Et après, on... voilà. Trop bien, je suis du frisbee. Non, c'est pas du frisbee. Si. Comment on appelle ça ? Aïe. Attends, on rentre par où ? D'accord. Si, c'est du frisbee ! C'est pas ça, je pense, c'est... C'est un mélange entre le golf et le frisbee, ça s'appelle disque quelque chose. On a déjà... Disque jam ? Disque ball ? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ouais, mais alors ne vise pas sur la route, s'il te plaît. J'ai pas envie de péter, ça moi. Nous protège, regarde. Oui. Ouais. Oh la belle rouge. Oui. Wow. Ça passe. Extrême. Hop. Là on va se faire attaquer par les ninjas. Il y a de grandes chances. Ouais. Ils viennent. YOLO! Regarde! Tu vois, elles pètent pas! Ah oui. En fait, elles ont pété tout à l'heure parce que. T'avais attendu trop longtemps. Attention, il y a des gros robots là. C'est les pyromanes. Ils régènent en plus! Ouais. Ah, en fait, oui, ils sont passés là-dessus quand tu vises la tête. C'est comme si on était toute une équipe. Alors. Vous devriez voir le docteur Z. Et lui parler est encore orge. Il a beau ne pas être docteur, il en prescrit à tout le monde. Question de passer par l'entrée principale du dépôt. Le code que vous avez est pour l'entrée de service. Prudence. Terminé. Ah, mais j'ai plus de place. Du coup, trouvons le dernier écho et tuons nos chères petites ninjas, je suppose, qui vont nous attaquer. Non. Non, même pas. Amiral. J'ai dû vous manquer de respect dans une autre vie. Et j'imagine que vous prenez votre revanche en m'observant perdre pied ici. J'ai décollé votre briefing de mission, écrit au marqueur magique sur un gâteau sec. Il dit « Les chats, c'est trop lol. » J'ai travaillé toute ma vie pour ce poste. Je vous adresse donc ce message écho. Pour vous informer que je compte conduire les opérations de mon propre chef, en ignorant tout futur message. Adieu. J'ai encore de la place. Un petit peu de place. Donc voilà, le message codé de l'amiral, c'était c'est trop lol.
C'est vraiment... Chats, c'est trop lol, écrit en SMS. C'est vraiment n'importe quoi. du coup, passons par le... Ah bah, les ninjas. Check, les ninjas. Oh, putain. Voilà, hélico qui arrive sur nous. Tiens, hélico. Je te laisse prendre tout le loot parce que moi je n'ai plus de place. Et du coup voilà, on a fini notre quête. Putain, c'est des pyromanes, mais arrêtez de nous faire spawn des pyromanes. C'est génial. Alors, l'entrée de service, j'espère qu'ils vont nous mettre un truc pour le stuff. Ah, je suis plein. Ah. Toi aussi. Faut sauter. Bon, c'est pas grave, c'est pas du stuff non plus légendaire. Oh, si, il y a des boîtes. Ah, il y a un abo de la lance écarlate qui était caché dans la. Alors. Il est où le dernier méchant? Le dernier, mais non, ils sont pas. Alors. Je sais que j'avais dit que je vous enverrais plus de rapports, espèce d'abruti. Mais j'ai pensé que vous voudriez savoir que l'ex-agent Athéna a travaillé avec le carter Undan Baté, qui a vaincu notre commandant Alpinus Bouginic. Vous vous souvenez d'Athéna, non? C'est elle qui avait supprimé le vice-président de Dal pour nous à l'époque. Maintenant que j'y pense, c'était avant votre naissance. C'est pas croyable. Qu'est-ce que je fous ici? Oh punaise, attends, le général, c'est un gamin, l'amiral en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les chats, c'est trop lol. Tu comprends tout maintenant. Le gars, c'est scooter. Non, scooter, non, c'est pas l'amiral. C'est vraiment un gamin. Oui, c'est vraiment. Après, je crois qu'on le. Peut-être qu'on le voit à la fin, mais oui, ça. Bah là on comprend que c'est un gamin quoi en fait. C'est n'importe quoi, ils ont foutu un amiral de la... Oh non, il y a plein de... Ils ont mis un gamin en tant qu'amiral quoi. Je suis sûr que ça doit être le fils du colonel ou du... Mm. Un truc du genre. Ah oui, des... Hop. Ah oui, des machines. Alors. Hop, récupérons le loot. Alors j'ai plein de modes pour toi. Ah. Je viens de looter. Alors. Ah bah non, j'en ai qu'un. Oh, oh. Ça c'est le mode sirène. Ah mais c'est machine à mode, j'avais pas vu. Oui, c'est la machine, ouais. Oh là, alors attends, parce que... Ouais, mais il me sert pas 37, trop. 37, 32... Ah tiens, j'ai pas regardé s'il y avait... Oui, ouais. Racheter des munitions, oui.
Tac, je recharge mes armes. Du coup, niveau quête, bah, il reste plus qu'à tuer la tour, mais ça, bon, ça c'est... et du coup, bah, on pourra finir le DLC, on fera à la fin. Donc tu me dis quand c'est bon, et nous allons aller dans Crimson Armory, qui est donc l'armurerie ou l'armurerie secrète du général Lox, qu'il a mis en place en fait pour voilà, qu'il a mis en place pour reprendre la ville de Pandore en fait. Tu me dis quand c'est bon? Vas-y. Ah ok, je l'avais pas vu. Mais là, du coup, dans tout ce qu'on avait à faire en quête secondaire, on a tout fait. Il n'y en reste plus qu'une, mais c'est tout de l'autre côté. Il faut tuer un des drifters, en fait. Hein? Et après, c'est tout. Je pense. D'accord, j'ai pas eu l'impression qu'on en a fait tant que ça. C'est allé vite. Mais après, c'est, après on en débloquera peut-être d'autres, mais peut-être après en tuant le boss. Genre la quête du qui dit faut faire le... Comment genre la reine. Ah oui c'est vrai. Donc voilà le sous-sol de l'armurerie secrète. Mais on peut pas rentrer dedans. C'est stylé quand même. Donc là on va passer par le petit tunnel. Du coup il faut se mettre ici. Et là, on va au boss. Hein. Attention cinématique. Oula. Ok. Le gros missile en dessous, quoi. Bon, vous tombez franchement mal. J'en ai marre de poireauter. En fait, il veut juste se suicider. Bien être mort avant votre arrivée. J'en peux plus. Voilà ce que je vous propose. Si vous me battez, ce qui est très probable, vous devez faire sauter toute cette foutue planète. Tuer tout le monde. Ça serait mieux comme ça. Ouais, c'est vraiment... N'aime pas les lundis. N'aime pas les lundis. Il n'y a pas que les lundis qui aiment pas. Hein. Bien sûr, j'ai plus... Si j'ai gardé ma mitraillette. Pourquoi il me focus moi? Wow! Comment en général? Ouais, non, il y a des mini-robots. C'est réglé. Il y a une grande chance. Attends, parce que moi, quand je me cache, je change d'arme. Mais cassez-vous, les robots, là, j'ai pas le temps, là. J'essaye d'aider un général. C'est énorme. Punaise, il m'a bloqué. Cible touchée. Mort. T'es bien. Eh hey, mais je peux pas! Vu qu'il saute, je peux pas venir te heal! Ouais. Ah parce que du coup il est dans la zone, d'accord. Du coup il va m'embêter. Je fais que dalle comme point de vie. Je sais pas du tout si tu restes dans la zone. Je sais pas, moi je vois une flèche Kraken que je sais pas si tu as. Oh là là. Attends. C'est bon, je respawn. Là.
J'en fais un autre qui mord la poussière. Je me fais au sniper. Il est derrière le poteau. Ouais, je sais. Attention, il y a un annihilateur brutal qui arrive. Ouais, mais non, mais il va pas te suicider, Jack. À mort avant. C'est pas leur jour. Ah, une autre encoche sur mon arme. C'est bon. Il est mouru! On a fait tuer le brutal. Il est mort, hein? Oui, il est explosé. Explosion, Michael Bay! Michael Bay! Explosion! Non! Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, mais non, mais va pas te... Ouais, tu vas... Tu participes. Du coup... Non, non, c'est juste que j'avais plus de munitions, donc j'ai sorti la roquette. Du coup, là, on l'a tué, et on doit normalement rentrer le code pour tout faire péter. Il y a juste le bruit du réacteur qui est un peu embêtant. Et voilà. Bon, il était un peu compliqué, hein, celui-là, enfin. Un peu. Ouais, c'est surtout les ZAD en vrai, parce que le boss en lui-même on pouvait les ouais. Même s'il avait quand même beaucoup de vie. Voilà, je t'attends. Hop là. Donc, voici le code. C'était quoi le code? J'en sais rien. Alors, le code est bleu, jaune, cyan, orange. Bleu, jaune, cyan, orange. On le savait ça? Oui, tu le sais avec la quête. Si tu fais tab, tu vois, il est marqué vous avez le code pour entrer dans le dépôt d'armes. Le code est bleu géant. Bleu et B-J-C-O. C-O. Okay. Vous en souviendrez, une fois à l'intérieur, vous devrez sortir les munitions. Avec le général Knox hors Oula. Service, je n'ai plus besoin de me planquer. Trouvez la salle de contrôle qui surplombe l'intérieur de l'entrepôt. Voilà. 15 FPS. La informatique pour le détonateur doit s'y trouver. Terminé. Oh la vache! Donc voilà toutes les munitions ici. Wow. Avant de placer le détonateur, sortez les munitions pour garantir leur destruction. Les commandes doivent être à côté. T'as pas compris, Jake? Là, en fait, c'est juste tout là, c'est... Déjà, tu regardes, ça fait un... Oh! Le casque. Mais en fait, ouais. Tout ce qu'il y a derrière, on va le faire péter, en fait. Ah. Vous aurez placé le détonateur, il n'y a pas moyen de avoir des moyens pas du tout légitimes. Non, mais on va récupérer pas mal de trucs, peut-être. Voilà, donc... Voilà, donc, en gros, on doit mettre le détonateur et on doit prendre le plus possible avant que ça arrive à zéro. Ok. Donc là, vous avez réussi, maintenant que vous avez détruit ou fauché son stock, Atlas devrait vous ficher la paix à vous et à Pandore. Donc voler les armes d'Atlas, compte à rebours lancé, voler le butin, boum. Donc là en fait on descend, en bas, et c'est ici. Allez, let's go. Voilà. C'est un peu Noël. Du coup il y a tout ça là ici. Et en fait, on a 3 minutes pour tout prendre. C'est génial. Super, je m'y attendais pas. Le ravitaillement est toujours bienvenu. Et après, faut pas oublier de partir.
mettre les casques rouges. Bah oui. Eh mais t'as encore oublié plein des caisses, regarde, là, y en a. Mais j'en ouvre plein là. Bah oui, je sais, mais moi aussi. Je regarde même pas les stats, je m'en fous, je prends tout. Moi je me sers et on... Oh non, je suis plein. Ça on s'en fout, Je suis plein de toute façon. Non! Mais non, mais je veux pas monter! Remonte! Une minute 23, bah c'est mort, moi faut que je me barre, je suis plein! Plus de place! Il y a tellement de loot! C'est super! Prends que du loot violet! Et vous êtes une tache rouge sur le sable. Vas-y, vas-y, on se barre, Duke. On va péter. Dommage. Bah, en fait, ça, le truc, c'est que... Si vous prenez le plus de trucs, mais... Et je crois que ça, par contre, on peut pas le refaire. Vas-y, vas-y. Non. Moi, je sors. Bon, bah, on a plein de loot, mais ils servent à rien. Parce qu'ils sont encore moins bons de ce qu'on a. T'avais encore de la place ou pas? Ah non, je suis plein. Eh bah ouais, bah du coup on va attendre. Faut pas s'éloigner? Non, je crois que c'est juste ça qui va péter. J'ai qui recule quand même. Voilà. Voilà Athéna qui est contente parce qu'on nous avons détruit Atlas. Et voilà la fin du DLC. Oh, génial. T'as la cinématique de fin aussi ou pas? Oui, oui. Donc voilà. C'est sympa ce générique dessin là en mode artwork. Ouais. Et donc Athéna, qu'on reverra bien évidemment avec un tout autre skin. Un skin vraiment mieux, enfin plus amélioré dans Borderlands Pre-Sequel. Qui est la suite point de vue lore. Wesh, je vais me craquer mon mâchoire. Et du coup, maintenant, il faudra qu'on rentre à T-Bone Junction pour rendre nos quêtes. Finir la quête de tuer le truc, la tour, là. Le Strider bizarre. Et voilà. Je sais même plus si on avait un générique pour les deux autres DLC. Pour l'Halloween, je crois. Ouais, mais pas le... Pas le Thunderdome. Ouais, mais c'est vrai que l'Thunderdome, on l'a pas vraiment terminé à fond. Donc il fallait faire les zones ultra dures, là. Ouais, on passe. Wesh, pardon. Donc voilà, c'était le DLC, l'armurerie du général Nox. C'est
Nous sommes renvoyés du coup à la sortie, qui est normal, puisque nous avons tout fait péter. Et du coup, bah, c'est parti pour retourner en arrière et aller rendre la quête. Par contre, tu vois, là ils auraient dû mettre un TP. Oui, je suis d'accord. Par contre, on peut vendre tout notre stuff. Hein. Voilà. Toi, t'es chasseur, hein, c'est ça? Je suis chasseur, mais je suis encore en chargement. Ah, parce que j'ai plein. Là, j'ai vraiment plein de modes pour toi. Regarde, tout ce que j'ai. Je fais de la place d'abord. Alors. T'es tout mis par terre. Bah du coup, vu qu'on doit retourner, je vais prendre le... Non, mais sérieux, du coup les ennemis ils respawn. Super, je m'y attendais pas. Ah ouais, quand je me fâche... 451 et moi j'ai... Vas-y. Moi je vais avancer comme ça, tu seras TP direct. Ouais. Je vais gagner un peu de temps. Je vais pas tuer les ennemis, ça sert à rien. Ah mais les armes elles ont pas dispawn celles qui étaient tombées tout à l'heure. C'est un peu Noël. Ouais, je suis en train de récupérer toutes les armes. Alors, voyons voir ce qu'il m'a mis. Moi, je suis sur du ça. T'es mort. T'inquiète. J'irai, c'est race. Il en approche. Et du coup, hop, on va faire spawner la voiture. Je grimpe. Mince, c'était un vide. Oh non. C'est pas grave, tu veux juste respawn à côté. Ah. Ça m'a avancé en fait. Ah mais ouais, du coup comme... Ah c'est du coup c'est... Ah ouais, bon, c'est bizarre. Mais t'inquiète, de toute façon je suis bientôt à la sortie, tu vas te TP avec moi. Moi je cours à pied. Ah, si tu vas... Tu vas rattraper la voiture à pied. Tu vas mourir, hein, tu vas mourir. Je te le dis. Je te crie. Hop. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Comme ça, tu es TP. Utilise avec moi. Je charge. Utilise avec moi ou contre moi. I'm here. Hop. Du coup. Alors, T-Bone Junction, et ben on va aller voir Moxie. Et Moxie en plus c'est là-bas qu'elle est. On va aller rendre la quête à Moxie pour le tremplin qu'on a fait tout à l'heure.
Il y en a un autre là. Il y en a un gros. Hé, hey, arrange ta bagnole. Je suis motorisé. C'est parti! Voilà, pour le kiff. Donc du coup, on doit remonter vers Moxy. On va lui rendre sa quête. J'ai entendu, je le bute. Passé à travers. Hein? C'est un peu passé à travers la bordure. Ouah, ça va. Bon, du coup on a obligé de descendre. J'adore ça. Ouais, même plus besoin de les tuer. Ça donne que dalle comme expérience. Hop, bon, Moxy, on a fait... Ah bah, encore une nouvelle tâche. Supprimer les graffitis représentant Moxy. Les bandits de la région ont des dessins douteux qui me représentent. La plupart du temps, c'est de la pure calomnie. Si je ne veux pas trouver leur graffiti, leur effacer pour moi. Ah bah, voilà. Moxy, elle m'a fait coucou, salut. Ah bah, c'est normal, c'était sa femme. Non, enfin, t'es, non. T'es son mari. Je suis pas sa femme. Tu es son mari, oui, oui, oui. Les graffitis. Ouais. Du coup, on va enlever les graffitis. Ouais. On va l'arranger, ta tire. Je grimpe. Je suis tombé. Tu vas au sol, en fait. Tu tombes comme tout à l'heure. Et du coup, quand tu vas tomber, tu vas arriver au TP pour la voiture. Et tu fais TP dans le siège mitrailleur. Voilà, tu vas au petit truc de la voiture derrière. Tu fais TP au siège conducteur ou au siège mitrailleur. Non, juste derrière toi, Jack. Tu ne fais surtout pas faire réapparaître le véhicule, tu fais TP dans le... Bon, voilà. Maintenant tu fais E et tu sors de la voiture. Et là du coup on va devoir trouver des graffitis apparemment que les bandits font sur Moxy, qui soi-disant sont faux. Mais bon, connaissant Moxy, ça m'étonnerait, hein. Et tu vois, ça, cette quête-là, on l'a débloquée parce qu'on a tué Nox. Ouais, c'est... Il y a des fois des trucs, c'était obligé de finir le boss pour faire vraiment la quête, terminer le DLC complet. Parce que là, je crois que normalement, il y a un succès avec une course. Donc on aura une quête avec une course. C'est quoi ces boum boum? D'accord, tu l'entends comme moi? C'est le portail de... Le portail? En fait, ils sont sortis de ça, là. Ah oui, ah d'accord, oui, la porte, ok. Ouais. Ah oui, c'est quand la porte s'ouvre à chaque fois, d'accord. Alors... Le premier graffiti de Moxy. Qu'est-ce qu'il représente? Moxy, d'accord. Donc si tu arrives à lire, je te laisse lire. Moxy aime la plage. Non, c'est pas du tout ça. Honnêtement.
Oui, phonétiquement. Après, nous ne pouvons pas dire ça sur Twitch, bien évidemment. Ce qui est bien sûr absolument faux. N'oublions pas. Et une caisse rouge. Ah bah il y a un labo. Mini Steve. D'accord. Et du coup on va partir pour faire le deuxième graffiti. Là, on va faire respawn la voiture. Hop. C'est parti. Qu'est dit le deuxième graffiti? Voilà. Moxie. A été pris dans toutes les chambres. Voilà. Place conducteur. Ah bah non, le deuxième graffiti est là. Bah non, on l'a pas effacé, mince. Voilà, on l'a effacé. Oui. Je sais pas si c'est la voiture qui l'a écrasé ou toi-même en fait. Non, c'est moi qui l'ai écrasé en rentrant dans la voiture en fait. Troisième graffiti. Oui, je l'avais vu celui-là tout à l'heure. Lui, je l'avais vu. Alors, ça dit. Pour un good time, j'irais plutôt pour prendre du bon temps. Pour garder le moral, téléphoner à Moxie. Ouais, voilà. Ouais, on peut dire ça comme ça. Attention, t'es dans les mines, hein. T'es artificier. Mais ce qui est bête, c'est que quand t'es dans le... En fait, quand toi tu es dans le véhicule en mode artificier, je ne peux pas utiliser les autres armes. Oui. Quand je suis tout seul dans la voiture, je peux utiliser que le siège mitrailleur. Mais du coup, je ne peux pas utiliser le lance-mine ou les autres trucs. Alors du coup, c'est Moxie Dose. Aïe! Non! Je me suis fait écraser? Oui, j'ai vu ça. Moi, j'ai le cadavre de la voiture à côté. Bah, t'inquiète, t'as juste à te. Attends. Faut que je fasse tout le tour. Tu peux respawn dans la voiture si t'arrives à. J'arrive à te chercher. Je viens te chercher. La borne, je pouvais pas cliquer dessus. Non, je prends pas là. Retourne là où on était tout à l'heure. Il y a un truc en haut, non? Non, c'est bon. Non. Ouais. Et le dernier graffiti. Arrêtez pas de tirer! Le tireur
qui est de l'autre côté. Ah non. Tu vois un graffiti, toi, ici? Que dalle. Ouais, bah, on est d'accord. Hein. Je pense qu'ils ont dû l'enlever en mode... Non, celui-là, il est trop... Peut-être, ouais. Ou alors c'est avec le jeu bug. J'opte pour le jeu bug. Allez, on va aller lui rendre. Et après, direction T-Bone Junction. Et on rend toutes les quêtes. Oui, bah ça va. Ça va, quand je suis en boost, elle tombe pas. Il met des mines partout. Bah j'ai tué des gens comme ça sans faire exprès. Et du coup, ils font grenade, ça va péter. J'ai sauté, ça avec aussi si tu veux peut-être me TP. J'ai sauté en fait avec l'explosion, ça m'a pump en fait. Oh. Alors on a enlevé les tags. Merci chérie, tu es vraiment adorable. Donc voilà, on a fait la quête. Bah oui, c'était juste ça. J'ai même pas eu le temps de charger. Voilà. C'était juste. Merci chérie, tu es adorable. Et du coup, rebelote, on va sauter par-dessus le pont. Le petit pont de bois. Il tenait la rivière. Le joli pont de bois. T'as la ref, quoi? Bah oui. 1, 2, 3. T'as pas la rêve, ça? Bah, les Baudins. Oui, oui. T'es où? Je suis dans la voiture, je t'attends. Tu sautes par-dessus le pont. Ouais. Attends, il peut continuer encore plus avant, en fait. Pourquoi tu lances sanguine? Ouais, comme ça, elle tue des gens si jamais je m'écrase à... Ah, oh, ouais. Et du coup, c'est parti pour aller rendre les quêtes. Ça fait vraiment humeur lui en fait. Attends. Mmh. Ah non, j'allais dire mitrailleur. Ah oui, d'accord, oui, mitrailleur. Et en fait, oui. Vous voyez ma mitrailleur qui bouge, je me dis, ma mince. Mais oui, non, c'est vrai. Je pensais qu'on voyait, moi, mais non, il n'y a que toi qu'on voit dehors. Alors, The Crimson Tollway. On doit tout traverser. On est à 10 km de T-Bone Junction. Salutations. De nouvelles missions sont proposées sur le panneau de prime de T-Bone Junction. Ah bah, tu vois. Des nouvelles missions sont proposées. Grâce à le regret de
faut qu'il spawn sur moi, lui. J'avoue. Tu as rechargé les drones dans les prises murales. N'importe quoi. Genre ton drone il fonctionne au 242. Non mais... J'imagine le drone... Ah il faut une prise USB-C Mais... Poussez-vous! Tu fais quoi, la voiture? Tu fais coincer la voiture? Faut sortir. Je vais la faire respawn. On va faire spawn la raceur, ce sera plus rapide. C'est parti! Attirer votre attention sur sa gamme très complète de produits d'assurance. Veuillez penser à votre famille dans ce terrible moment. Ouais. Je voulais l'activer, mais... Hop! Je me mets bien dans ma chaise. Alors, oui, t'inquiète pas, on est là tout le temps. Donc, on va rendre les quêtes. Butin perdu. Alors, eh bien, vous avez trouvé toutes les anciennes cages d'Atlas, les gens les cherchaient depuis des années. Il n'y avait rien que vous pouviez vendre. Posez un mouchoir sur l'antenne de communication près de l'armurerie d'Atlas. Mais sérieusement ? On doit refaire demi-tour. Oula, je suis à 3 FPS. Et en rollback là, non ? Ouais, je suis à 3 FPS là. Ok, donc là, si je regarde le sol, je suis à 60 FPS. Si je regarde devant moi, je descends à 3 FPS. Quand t'auras besoin de moi. Je vous remercie de vos efforts. A plus alors, il serait pas arrivé sans. Prenez ça. Vous l'avez mérité. Alors, vengeance d'une femme. C'est bon, la fin de Nox. Apparemment, il a des ennuis avec le commandement central. Excellent, cela nous donne un avantage. Oui, bah, c'est bon, il est mort. Et du coup, on a chopé un flingue. Normalement, il s'appelle le Athena Winsome. Ouais. La guerre en pleine est une dernière option. Ouais. Salut, c'est Marcus. J'ai un truc pour toi. Passe me voir à Tibon Junction. Ah bah c'est bon, ah si, c'est lag encore. Alors attends. C'était pas ici qu'on devait rendre la quête pour les... Crimson Tollway, sur écoute. Et il faut qu'on aille voir Marcus. Non, toujours pas mort, le trap. Encore ? Et bienvenue Orc Industrie. Et merci pour ton follow. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Marcus ? J'ai racheté l'entrepôt. Ça fait sauter. A fini les rangs de la lance écarlate. C'est génial. J'ai quelques boulots pour toi. Ah oui, oh, d'accord. Bien, je te laisserai faire des emplettes dans mon magasin. Non. T'en dis quoi ? Allez, je crois qu'on va pas la faire ce soir en stream, Jake. Attends là. Attends, mais c'est pas grave, il faut que j'aille prendre les autres quêtes. Eh bien, bonsoir. Bon, bah, c'est dommage, t'as loupé le boss de fin. On l'a tué il y a pas longtemps. Ils ont été donné la quête de tuer tout ça avant, quand même. Oula. Alors. Ah non, donc c'est ici qu'on a Chromerax. Alors, si tu veux,
On peut terminer sur Chromerax. On va mourir. Mais on peut te montrer à quoi ça correspond. C'est un des dragons de World of Warcraft. Non, ça va bien et toi, Orc Industry? Alors, parce que là, il reste encore d'autres. Enfin, un, deux. Enfin, un nettoyage, il faut tuer tout le monde, il faut tuer plein de gens. Ouais. Voilà, on va pas le faire en stream, je pense. Panneau déprimé. Alors, je vais te montrer Chromerax. Donc, vas-y, viens. C'est un corbeau? Chromerax. Non, c'est pas du tout un corbeau, Jack. Alors, on est niveau 43 en parcours 1. On a fini le parcours numéro 1. On va pas lancer le parcours 2. Mince, j'appuie sur la mauvaise touche. Et du coup, là, on vient de terminer le boss du DLC numéro 3. On va juste montrer cette quête-là à Jake. Et je pense qu'au prochain stream, on commencera le DLC 4. Je te suis tout de suite. Sachant qu'avant le prochain stream Borderlands, il y aura Demon Knight, sûrement du Valley. Oui. D'autres choses. Tu viens de débuter. Tu joues sur lequel, Orc? Sur le. Alors, parce que. Moi, je les ai tous. J'ai tous les Borderlands. Du coup, il y a encore des gens comme moi qui découvrent Borderlands. Je croyais que j'étais juste un. Stop! Oui, il y a du loot. Voilà. Je croyais que j'avais juste raté le coche. Non, après, oui. Pour l'instant, j'aime bien jouer. Mais du coup, t'es sur le. Alors, le premier ou le. Il est là le loot, Jack. Tu fais quoi? Tu vas où? Là. Ah, tu veux le coffre là? Ah, moi je pensais que tu voulais le loot par terre. C'est qui me tire dessus? C'est. Les drones. C'est tuer les drones. Ouais, t'y arrives ou pas? Non, mais c'est vrai que. Alors, moi je suis très fan des Borderlands. Je les ai tous. Même les Telltales. Je les ai tous finis. Dont le récent. J'ai le 1, le 2 et après séquel. Alors, le 2, c'est mon préféré. Je ne le dirai jamais assez. Dans l'ordre, je mets le 2 en premier, c'est le meilleur. Ensuite, pré-séquel niveau histoire est pas mal non plus, puisque y a Jack, donc ça c'est cool. Et le 1, on voit que c'est le premier. C'est bon, la vache. Là, mais c'est bon, je suis à 12 FPS là. C'est quoi ce jeu mal opti? Alors j'ai bloqué la voiture. Alors le 1 est pas mal, mais. On sent que c'est le 1. C'est, si vraiment t'as pas commencé par le 1 et que t'as commencé par le 2 et le pré-séquel, ça te fait bizarre. C'est vraiment, t'as pas du tout le même système de gameplay, d'inventaire et tout. Et encore, tu vois, même s'il y a quelques petits soucis, le jeu, je suis quand même hyper étonné que ça reste un jeu hyper complet. C'est très grand. Ah oui. Il y a beaucoup de scénarios, il y a beaucoup d'aventures. Et c'est très varié. C'est pas juste on va tuer, c'est vraiment très varié. Il y a plein de choses sympas. Oui, et encore, c'est que là, dans le premier, c'est, on va dire, c'est un peu les mêmes quêtes, quoi. C'est. J'arrive toujours à quoi c'est le véhicule. Ah, toi aussi. Ça, tu vois, Jack, je suis pas le seul. Dans le 1, les véhicules, ils se coincent partout. Je dirais. Voilà, je suis pas le seul. Je ne dirais rien. Mais c'est quoi ça? Attends, mais. Je suis à 8 FPS! Sérieusement! Je suis en chargement. Par contre, j'ai. Ouais, non, mais. Ok. Mais donc, du coup, ouais, dans le 2, comme là, bah, ici, les quêtes, c'est ouais, tuer des mobs, trouver des caisses et tout. Dans le 2, t'as des quêtes, c'est vraiment. Tuer des mobs, mais t'as un peu plus de lore. T'as les quêtes, j'appelle ça les quêtes FedEx. Genre, c'est les quêtes, c'est des quêtes répétables où tu dois, genre, la quête, c'est tu dois livrer des parties de corps humain. Oh. Oui, c'est le Dr. Z qui nous donne cette quête où on doit livrer des bras et des pieds
à certaines personnes et c'est des quêtes chronométrées. Mais le pire, c'est qu'il se coince dans des endroits probables. Ah, mais ça, je veux dire qu'on en a fait des figures, hein, nous, sur celui-ci. Ah, mais on aurait pu monter un spectacle de cirque. Hein. Alors, oui, non, c'est par là. C'est pas par là ? C'est par là. C'est la grotte, on va aller dans la grotte. Et du coup, fait également amusant, c'est que ici, on va se battre contre Chromerax, donc boss super compliqué, et dans Borderlands 2, dans un des DLC qui est Wabam Island, donc île paradisiaque, etc., nous devons nous battre contre le fils de Chromerax. Ouais, c'est un monolithe. Il va nous envoyer dans l'espace. Et alors, Chromerax, donc des boss comme Terramorphous, c'est le dernier boss du jeu, très compliqué à battre, etc. Il y a toujours une zone où on peut glitcher un petit peu pour être invincible. Alors par contre, j'ai pas envie de me battre contre lui à 2 FPS. Alors, voilà, donc tu prends des items, hein, Jake, vas-y. Les cadavres avancent, c'est toi qui les as tués ? Non. D'accord. Ah non ! J'utilise les fiches de code. Oui, j'utilise. Alors, ici. Alors, je te montrerai quand je serai à Sanctuary. De toute façon, je crois qu'on peut le voir ici tout de suite. Shift code, j'utilise très souvent. Petite astuce, si tu veux l'utiliser, je te conseille de suivre sur Twitter Gearbox. Et les différents jeux Borderlands, Borderlands Pré-Séquel, Tiny Tina Wonderlands, puisque souvent ils dropent des clés en fait. Shift. Pour Borderlands 1, 2, 3, Pré-Séquel et tout. Et avec ça, bah tu peux avoir tes items. Mais oui, Jack. T'as vu le prix ? Bah oui, mais c'est normal, c'est les derniers. C'est rien du tout, Jack. On est pété de thunes, j'ai 6 millions. J'ai pas la moitié de ça ? J'ai 6 millions, moi. Ben, j'ai 5 millions 7, mais là, le truc, il coûte 10 millions. Mais non. Ah si. Là, ici, au milieu, dans les modes, j'ai le mode de classe niveau 55 chasseur. 9 999 999. Ah, oui. Oui, voilà, ce mode-là. Mais oui, ben c'est... Tu vas comprendre. Oh, la roquette. Du jour. Oui, mais j'ai voulu l'acheter, mais pareil. Mais c'est parce que regarde aussi les niveaux, Jack, on est dans une zone level... On n'est pas dans une zone 43, on est dans une zone level 61. Bon, bah. Donc, qui dit zone level 61, il y a combien de fragments de l'arche ? Alors... Non, je vais souffrir une assurance vie. Fragments de l'arche, t'en as 3. Voilà, enfin, fragments de l'arche. Alors, la clé de l'arche, tu as 3 fragments de clé d'arche. Mais Ah oui, voyez ça. Combien de fragments clés ? T'as 3 fragments clés. Que nous devons récupérer dans Borderlands 2. Du coup, on va pas le tuer, hein, le boss, hein, je te rassure. Mais tu vas le voir. Et là, on arrive à le tuer. Non. Impossible. Dis-toi que pour tuer un des boss comme ça, c'est soit faut que tu glitches, soit tu dois finir le parcours d'après complètement... Pour pouvoir tuer celui d'avant. Genre dans Borderlands 2, Terramorphous, j'ai fait les 3 parcours en chasseur ultime 1, 2 et 3. Je te le pougne en chasseur ultime 1. Voilà, Chromerax l'invincible. Allez, Jack. Mais c'est quoi ça, c'est ? Allez, Jack. Voilà, c'est Chromerax l'invincible. Il est beau, hein ? T'as vu ? Je lui fais 0 ! Bah oui, c'est normal, il est level 61, Jack. 64. Ouais, 64. Pourquoi je lui fais 0 ? Même au Tania, je fais 0. Bah oui. Moi aussi, je lui fais 0, parce qu'il y a trop d'armes, il y a trop d'armure. Et après, je sais plus c'est quelle zone, mais... En gros, t'as un endroit... il me saute à la figure, quoi. T'as un endroit où... En fait, les zones des gros boss, c'est toujours des grosses zones comme ça. Et ils sont invincibles en fait. Et ils font spawn, tu vois, genre les Ténia, voilà. Et il y a une zone où tu peux te mettre. Donc voilà Chromerax. Mais ça fait partie du DLC de Knoss ? Oui !
Deity Nox, c'est Chromerax l'Invincible. Et en fait, le seul moyen de tuer Chromerax l'Invincible, c'est déjà de faire tous les DLC et faire le parcours 2 complet pour être level 61 et tout. C'est-à-dire refaire le jeu en New Game Plus pour pouvoir essayer ce boss ? Oui. Mais également, c'est clair, on est dans le mode normal. Mais ce boss sera également présent dans le DLC en mode New Game Plus. Génial. Mais on le tuera pas, t'inquiète pas. Sinon tu vois la difficulté impossible, tu pourras pas le tuer. Si, je peux te montrer sur Terramorphous sur le 2, hein, Non, mais ça, on verra plus tard. Bah, sur le 2, je peux te le montrer comme ça, rapidos, Terramorphous, niveau, on va dire, avec le level et les items que j'ai, je te le pougne en 2 secondes en mode normal, mais si je joue en mode chasseur ultime 3, bah, je suis mort tout le temps, quoi, c'est sûr. Je suis en train de me ruiner. Mais rien, t'embête pas. Bah, tu me dis quand on peut sortir de la zone ? Attends. Et du coup, bah, je pense qu'on s'arrêtera là. Mais du coup, si jamais... Oui, optimisation, il me reste 300 000. Mais du coup, oui, si jamais tu veux des clés orc, suis les Twitter des jeux, ils offrent pas mal de clés shift. Et moi, j'en ai plein. Enfin, j'en ai eu plein des clés shift. Je crois que là, je vais en avoir 60 des clés en or pour Borderlands 1, qui est le jeu que, entre guillemets, j'aime le moins dans la série des Borderlands. Ah, tu veux tout garder? Alors, je te conseille de garder sur les légendaires. Même s'ils sont plus level, garde-les parce que tu peux faire des bons combos avec certains items. Putain, là, je suis à 60, je suis à 2 FPS, c'est horrible. Et par contre, moi, ce que je fais sur Borderlands, même enfin, dans tous les Borderlands que j'ai joué, quand j'ai mes 4 slots d'armes, après chacun fait comme il veut, hein, mais c'est souvent un pistolet ou une mitraillette en premier slot, deuxième slot c'est le fusil à pompe, troisième slot le sniper, quatrième slot toujours finir sur un lance-roquette. Ça, j'ai touché à peu près toutes les armes, et puis au moins je peux switcher rapidement. C'est, enfin, après, je joue toujours comme ça. Voilà, je suis à 6 FPS, Jake, c'est horrible. Bah, vu que tu parles d'organisation... Ah oui, en effet, tu lags bien, oui. Mince. Attends, j'ai 2 FPS. J'ai 2 FPS, Jake. Ah oui, moi je rends mobile. Je voulais choper le... Je suis sous map, hein. T'es sous map? Ah oui, oui. Ah d'accord, bon. Attends, mais c'est pas plus tard. Tu sais quoi? Oui. Oui, vas-y. Par rapport à l'organisation de stuff, etc., tu dis que c'est mieux de garder les légendaires, mais très vite, le stuff, on en est spammé. Est-ce qu'il n'y a pas un système par la suite dans d'autres Borderlands de banque ou de coffre? Dès Borderlands 2, tu auras accès à une banque. Ah, ça c'est une bonne. Dans Borderlands pré-séquel, le 2, tu as accès à une banque. Putain la vache, non mais je peux pas conduire, c'est pas possible. Je quitte, Jake, je peux pas conduire. Attends. Tu vas être déco, je quitte, je reco parce que c'est pas possible. Je peux pas. Comme type d'arme, alors franchement ça dépend. Là ici sur Borderlands 1, je préfère la mitraillette qui fait énormément de dégâts de feu. Mais c'est... On va dire dans Borderlands 2, je suis plus en mode corrosif, voire explosif. Je trouve que les explosifs font vraiment beaucoup de dégâts. Même en venant sur le... Au spawn... Bah non, je suis pété en plus. Attends, je vais retourner à Sanctuary. Pas Sanctuary... Ah, je suis à 3 FPS et je te ralentis. Voilà, il n'y aura pas notre fameux duel à Sanctuary. Alors, New Haven. Hop. Bah, c'est. En fait, on va dire. Là, on joue sur la version Gotti Unanswered.
Donc la remaster de... Et la remaster de... a pas mal de problèmes. Faut que je redémarre le jeu, Jack. Vas-y, vas-y, moi. Je redémarre le jeu. En fait, des fois, le jeu est fluide. Si jamais tu veux regarder nos derniers replays, tu peux suivre la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube, tu verras qu'il y a des moments où je suis à 60 FPS constant. Et à certains moments, le jeu est un peu mal optimisé. Te lâche des gros... Et voilà, non, tu t'es trompé de commande, Jack. Te lâche des gros chutes de FPS. Donc si jamais Borderlands 1, je te conseille pas la GOTY Unsaid. Prends juste la GOTY édition tout court. Ça sert à rien, la remastered. Tu vas avoir plus de bugs, plus de lag surtout. Et que la GOTY, elle est très bien. Juste si, à moins que tu as un PC de guerre que tu veux le jouer en 3040 Hz, enfin 3000 à fond, ça sert à rien du tout. Tu vas plus être embêté qu'autre chose. Alors voilà, c'est bon, je lag plus maintenant. Je vais redémarrer le jeu pour que je lag plus. Monsieur Jacques, je t'invite. Donc là, du coup, j'ai 32 clés en or et j'en avais utilisé une trentaine la dernière fois dans un des derniers streams. Donc j'en avais une soixantaine, à peu près. Faut que je regarde. Je crois que j'ai le nombre de clés shift. Est-ce qu'on peut voir le nombre de clés shift qu'on a? Parce que oui, après, les clés shift, faut... Ah non, on peut les voir que en jeu. Faut pas oublier que tu peux, comme là, comme j'ai tout, j'ai pris les... tu joues pas sur PC? Ah oui, tu joues sur console. Comme là, moi, les clés shift, récemment, avec Tiny Tina Wonderland, je l'ai pris avec Epic. Pareil pour Borderlands 3, mais maintenant, il est sorti sur Steam, donc tu peux choisir les clés, mais avant, je l'ai pris sur Epic. Donc voilà, monsieur Jacques, on va faire notre fameux petit duel de fin de stream. Quel console? Il oui, y a encore à écrire que t'étais en avance, mais c'est par rapport à la dernière fois, je pense. Ah oui, ouais, c'est le Nerdome de Mad Moxie. Ça va toujours pareil. Si, attends, je vais vérifier quand même. Ah, tiens, un point de talent. Tu l'as pas mis? Ça c'est Thermal Serpent, ça sert pas, ça sert pas. Sur Xbox. Alors je crois pas que le 1 il est cross platform. Peut-être la GOTY Unsaid. Si c'était la Switch. Non. La Switch apparemment, même si la version est. On fait ça dans les règles. Comment on dit? C'est fluide, mais c'est pas très très joli. Oui, ah bah c'est... On va dire sur un jeu comme Zelda, Breath of the Wild ou autre, oui c'est beau. Mais sur les FPS, c'est pas... La Switch, c'est pas son fort, on va dire. Ça dépend des jeux, mais c'est vrai que là, Borderlands, il est envie de sortir en mode compilation pour générer de l'argent, comme pour Bioshock. Ah oui, bah oui, c'est ça. Même ça. GTA trilogique. Alors... Les duels, ça dépend. C'est Jake, il gagne parce qu'il triche. Je triche. Alors, en fait, il triche. Je vais finir ma phrase. Attends, tu vas voir. Il triche pourquoi? Parce que il a un talent qui fait que quand il me tire dessus, il passe par-dessus mon bouclier. Donc, il triche. Voilà. Tu vois, il m'a one shot. Il m'a one shot parce que il fait déjà plus de critiques et son truc passe par-dessus mon bouclier. Voilà, c'est de la triche. Ça classe à l'utilité de toute façon. Le jeu me donne ce moyen là, j'utilise ce moyen là. Je respecte le jeu. La classe chasseur à l'utilité. De toute façon, pour Borderlands pré-séquel, je vais jouer Claptrap, enfin Fragtrap, puisqu'il s'appelle Fragtrap. Tu verras, je vais pouvoir te tuer. Attends, faut que je te redonne un coup. C'est vous qui commencez, c'est moi qui finis. Voilà, ça, c'est voilà, il utilise sa compétence. C'est de la triche, ça, monsieur. C'est honteux. Donc, avant que Jake avait ce talent, je gagnais pas mal. Depuis que Jake a ce talent, je perds beaucoup. Ah, tu joues furieux. Ah, j'ai jamais aimé les classes furieux.
Berserker est furieux, franchement. Perso, j'ai toujours. Bah, Borderlands 2, j'ai joué avec le commando. Sur le 1, bah, l'appareil commando aussi, avec la tourelle. Tac, attends. C'est celui-là que je vais prendre. Sur Borderlands PSQL, je joue avec Fragtrap parce qu'il est marrant. Son kit est assez marrant. Même si j'ai déjà joué avec Katena, la gladiatrice. Sur Borderlands 3, je joue avec Mose et bien sûr son robot. Et PSQL, Tiny Tina Wonderland, le dernier, je joue des fours hommages. Parce que des fours hommages, là, c'est vraiment. Tu spams le bouton F et G. Ça explose de partout. Bon, tu fais quoi, Jake? Tu te caches? J'essaie d'attraper une caisse d'armes. Où ça? Là-haut. Ah, tu veux faire du parcours? On va faire du parcours. Hop. Oh non! Comment je l'ai fait? T'es où? Elle est où ta caisse? Ah, elle est là! Sur le toit. Et là, je suis entre. Ok, c'est bon, j'ai réussi à sortir. Attends. On va y arriver. Après, est-ce que t'as tous les DLC Orc sur Borderlands 2 ou autre? Ah, c'est le bon. Bon, au pire, c'est une petite pièce d'armes. Ah, mais je suis sûr qu'il y a moyen. Parce que normalement, de toute façon, si t'as les DLC, si t'as tous les DLC déjà pour Borderlands 2, bah t'as toutes les cartes. Genre les cartes des amoureux, enfin la Saint-Valentin, la Saint-Patrick, Halloween, Wampum Island pour le printemps, l'été. Tu as la carte. La Thanksgiving. Ah, je vais y arriver. Thanksgiving, le DLC Thanksgiving qui a la meilleure quête de tous les jeux Borderlands. C'est l'épopée de Mémé Flexington. C'est la meilleure quête au monde. Ah bah on a réussi tous les deux en même temps en passant par deux chemins différents. Bah t'es au voir. Et de toute façon normalement tu peux le voir, si t'as les DLC tu dois avoir débloqué en personnage Krieg, le berserker. Enfin le sadique plutôt. Et tu dois avoir normalement débloqué également... comment elle s'appelle? C'est la nécromancienne. Je sais plus son nom. C'est une fille. Je vais regarder le nom. Wiki. Non, pas pour le 1, pour le 2. Le 1, t'as pas de personnage en plus. Pour le 1, si t'as tous les DLC, tu devrais avoir normalement dans tes maps. Tu devrais avoir ces 4 maps là. La map de Jacob's Cove, qui est Halloween, le thème Halloween. L'Underdome, qui est. Enfin. Juste des successions de vagues. On en a bien galéré avec Jack pour le faire celui-là. T-Bone Junction, c'est le troisième DLC, donc c'est celui qu'on a fait là. Et Tartarus Station, c'est celui qu'on fera au prochain stream sur Borderlands. T'as réussi? Je suis une lumière. Et du coup, sur le 1, t'as que 4 DLC. Sur le 2, t'en as au moins une bonne dizaine. De petits DLC. Je vais dire combien il y en a. Enfin, en gros DLC, t'en as. T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc t'as 11 DLC sur Borderlands 2. Donc la GOTY est très, très avantageuse. Borderlands 1, t'as que 4 DLC. Après, c'est quel, t'en as que 3. Trois dont un qui est vraiment bien, les restes pas ouf.
Alors, tac. Bon, on recommence, Jack. Dernier round. Ou tu veux rester sur ton poteau? Poteau. Poteau. Crois que t'es au niveau. J'aime bien m'entraîner. Mon arme sur laquelle j'étais le moins à l'aise. C'est quoi le iridien? Ah. Hop, bon. Ah, tu veux qu'on change? Attends. Montre-moi ce que tu sais faire. Je vais prendre un gun aussi. C'est qui? C'est toi qui as dit ça en jeu là? J'ai dit quoi? Espèce de gonzesse, bah toi qu'on rigole. Ah peut-être. Peut-être. Je ne cautionne pas les propos de mon personnage. Je bougeais même pas. Sans la capacité de ton poids de galère. Oh, ah mais j'assume complètement. Oui. Bon après il faut dire Jake ne... il a pas un très bon PC non plus. Donc c'est un peu. Enfin, c'est... on va pas se mentir. T'es... Tu joues à 30 FPS. Ouais, et encore, 30 FPS. Voilà, donc c'est... ça joue aussi, hein. Bon bah voilà. Bah attends, du coup, je te laisse quitter d'abord. Oui. Donc du coup, prochain DLC qu'on va faire, c'est Tartarus Station, qui sera le DLC de la révolution des claptraps. Et du coup, je vais te montrer Terramorphous, Jake. Je vais montrer sur le stream. Le temps que tu lances le truc, vite fait, tu me confirmes. À 2h du mat, il y aura du Pokémon Unite pendant 1h, à peu près. Et des petits jeux. Et très certainement avec Draken à voir, mais demain après-midi, début d'après-midi, du Valheim. Oui. On ira faire des choses intéressantes. Et allez le jeu. Voilà. C'est pas mal. Allez ouais. Le jeu. Allez le jeu. Allez. En attendant, rejoignez le Discord. Hein. On n'est pas potes, on parle de vidéos, de cinéma, de séries. Il y a des jeux gratuits à récupérer chaque semaine sur Discord. Mais profitez-en. Voilà, comme ça vous avez le jeu qui arrive. Donc, voici Borderlands 2, que j'espère on fera en stream. Mais il faudra d'abord finir le 1, puis le pré-séquel, puis on commencera le 2. Donc ce sera pas avant longtemps. Donc là voilà, il recherche le contenu téléchargeable parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup beaucoup. Je sais plus si j'ai fait les paramètres graphiques. Normalement c'est bon. Allez le jeu. Voilà. Je crée la session en ligne. Mais allez. Voilà donc mon personnage. Commando level 76. Je vais mettre le mode normal et on va aller se battre contre Terramorphous. A plus Orc. Bonne soirée. Donc règle déjà la différence direct de mes PV. Hein. Je te laisse voir. Ah mais non c'est vrai, tu vois pas mes PV, il y a la caméra devant. Attends. Je vais te montrer. Regarde, hop. Voilà, tu verras mes PV. Tu vois mes PV? Attends, j'ai dû. Tu sais, il y a 30 secondes de décalage. Ah! Voilà, Borderlands 2. Combien? Et je suis que level 76, hein. Je vais te montrer les dégâts. Donc, ça, c'est l'arbre de talent, hein. Les dégâts des armes, donc mon pistolet explosif fait du 534 000, mon fusil à pompe fait du 147 000 x 18, mon snipe fait du 1 218 000, et mon lance-roquette fait du 1 707 000 x 3. C'est n'importe quoi, c'est...
Voilà. Que je te retrouve où Hyperion, Hyperion, Hyperion. The Island, je crois. Non, c'est pas celui-là. Faut que je te montre Terramorphous. Où qu'il est Terramorphous. C'est The Island Outwash. Non, non plus. Il y a tellement... Bah, de toute façon, tu peux le voir. Par rapport au 1, tous les petites balises, là, c'est des points de téléportation. Donc, c'est des maps. Ah oui. Après, t'as, tu vois, tous ces points-là, c'est pour le DLC Intel. Celui-là, c'est pareil, DLC. Ça aussi, c'est du DLC. L'Oasis, c'est... Je n'ai pas encore tout débloqué, mais c'est pareil, DLC. Tout ça, c'est des DLC, en fait. Attends, Terramorphous, il se trouve où déjà lui? Non, c'est pas The Island. Terramorphous, c'est là où c'est le repère. Costing Café. Southern Cut. Voilà, j'ai trouvé. Alors. Du coup, ici, pour accéder à Terramorphous, il faut utiliser de l'iridium. L'iridium, c'est la monnaie spéciale du jeu. Bon, les mecs-là, ils m'embêtent pas. Hein. Déjà, ma compétence, c'est je balance une tourelle. Enfin, je peux balancer deux tourelles qui avec des boucliers. Parce que c'est pas mal. Terramorphous, il est là. On doit descendre. Il est caché. Voilà, ça explose de partout. Donc là, pareil, Terramorphous, je dois placer 8 d'iridium pour y accéder. Oui, mon gun, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il balance une roquette. Et la roquette, après, balance une mini-grenade, en fait. Donc là, voilà le Terramorphous pick, le pick du gros boss compliqué. Donc... En gros, on arrive là. Donc là, ça va être facile à tuer parce que bah, j'ai en gros deux fois son niveau en fait. Donc et du coup, quand t'arrives, on arrive par au-dessus du pic en fait. Voilà. Donc en gros, t'arrives sur une grille ici. Tu tombes obligatoirement dans le trou. Donc c'est ton arène, tu peux tomber hein, bien sûr. Pour faire spawn Terramorphous, il faut sonner dans une corne. La corne qui est très stylée, je trouve. Voilà. Donc on le voit arriver au loin. Bah en fait je suis con, voilà, je meurs. Je viens de tomber dans le vide comme un con. Allez, remets-toi le jeu. Je vais te refaire le chemin. De toute façon, il va spawn, hein, de toute façon. Alors après, il doit sûrement avoir une technique du style... tu dois te cacher derrière un rocher pour devenir invincible et tout. Là, il a spawn, hein, on l'a entendu. Et dans Terramorphous, en fait, c'est nous qui l'envoyons dans Presequel, sur la planète. Mmh. En gros, c'est un monstre alien qui vient de la Lune. C'est nous qui l'envoyons via une fusée. Et en fait, tous les monstres qui lui ressemblent, donc c'est des... je sais plus c'est quoi les noms. En gros, ils sont tous ses enfants à lui. Voilà. Hop. Là il va spawn, donc voilà, Terramorphous l'invincible, le voici. Donc, tu vas le voir. Donc voici Terramorphous, Jack. Tu me dis quand tu le vois, hein. Là je te viens d'être. C'est quoi, c'est un calamar? C'est ça, c'est un gigantesque calamar qui peut passer par trois phases. Enfin, il y a une phase de feu, une phase normale et une phase de slag. Le slag c'est l'élément. Et du coup, il est level 52. Donc quand tu finis en fait la première fois, tu es level 52. Et du coup, voilà. Donc,
Il fait spawn des tentacules, il peut te pousser, il peut te repousser et tout, et du coup, bah, on va le tuer. Hein. Sinon, tu peux pas sortir. C'est le même principe que le boss... Que Chromerax. Final. Que celui où on était bloqué, en fait. Bon, là, tu peux voir les dégâts que je lui mets sont sévères, hein, mais bon. Et encore, je peux lui mettre... Là, c'est juste parce que j'ai le pistolet. Si je prends le snipe, que je lui vise, tu vois, genre que je prends le snipe, je fais du 843k en critique. Si j'arrive à viser, bien sûr. Voilà. Et du coup, en fait, là, t'es level 52. Toi, t'as une quête qui dit oh, ouais, c'est facile à faire. Et puis, quand tu l'as fait, tu te dis ah, ouais. Et puis, tu spawns là, tu te fais défoncer par le mec et tu te dis ah, d'accord. Et du coup, il fait spawn tout ça comme arme, en fait. Il se fait spawn du fric. Beaucoup de. Enfin, il y a sur une légendaire à chaque fois qu'il spawn. Et voilà. Hop. Tu vois, genre à chaque fois tu fais spawn un mob légendaire pour une des classes du jeu. Et ce qui est bien, c'est que dans Borderlands 2, tu peux avoir le système de coffre inter-personnage en fait. Donc si tu veux faire comme là un reroll nécromancienne ou autre, bah, tu peux déjà avoir du stuff légendaire pour celui-ci. Et voilà. Voilà le boss légendaire de Borderlands 2. Voilà, et ça c'est mon perso. Et ça du coup c'est le... Ça tu l'as pas dans le 1. Et en gros à partir du 2, tu peux dans le menu déplacer ton... la vue de ton perso. Mmh. Et en fait tu vois la vue de toutes les zones un peu de Pandore. Genre t'as la zone de glace au début. La zone un peu de Highland, t'as les déserts au fond, t'as la, le volcan qui est là-bas, et derrière t'as le barrage avec la montagne. C'est voilà. Intéressant quand même. Hein? Au vu des décors, c'est quand même, enfin, je trouve moins, même si c'était très post-apo le premier. C'est le 2, je le trouve moins fade en termes de décor. Ah oui, franchement, le 1, c'est beaucoup de désert. Ouais. Le 2, je te dis, quand tu commences, c'est dans une zone de glace. Donc, tu as une dizaine de maps où c'est vraiment de la glace. Après, tu te rapproches des montagnes, donc tu vois la glace, elle fond. Après, tu arrives dans une zone où c'est la plaine verdoyante avec des montagnes. Tu retournes dans un désert. Après que t'es retourné du désert, tu vas dans... t'as une ville, littéralement, c'est une ville moderne, quoi. Donc tu vas dans la ville moderne. Tu retournes dans une autre zone où c'est les montagnes type volcan. Donc ça, c'est sur la fin. Et après, dans les DLC... je te dis, dans les DLC, t'as le... comme là, le DLC, bah, Tinitina, l'assaut du dragon, c'est beaucoup de montagnes parce que c'est du RPG. Mm. C'est vraiment comme dans le jeu. T'as Wabam Island, c'est vraiment les îles paradisiaques tropicales. C'est genre un club de vacances. La Saint-Patrick, Saint-Patrick slash Saint-Valentin, c'est un peu type plaine. C'est pas des grosses zones, mais niveau map, ça change énormément quoi, par rapport au 1. C'est pour ça que c'est mon jeu préféré, en fait. Moi, sur tous les Borderlands, le 2, c'est mon préféré. Parce que t'as tellement de variété. L'ennemi, il est charismatique de ouf. Jack, y a pas mieux. Que tu vois, l'inconvénient dans Borderlands pré-séquel, c'est que certes, tu peux voir différentes maps, mais c'est toujours de la lune en fait. Tu vois, genre c'était sur une lune, donc bah c'est certes le décor extérieur quand tu regardes le ciel, il est magnifique, mais au sol, bah c'est que des cailloux. C'est un peu comme le 1, c'est des cailloux. T'as la zone où quand tu vas dans la station spatiale, c'est stylé, mais après le reste c'est que ça.
Enfin voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. N'hésitez pas à suivre Ascent Studio sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Nous suivre également sur la chaîne YouTube, follow la chaîne Twitch, vous abonner si ça vous dit. Du coup, tu m'as dit dans la nuit, il y aura peut-être du Pokémon Unite. Très certainement Unite dans moins de 2 heures à peu près, comme ça c'est fait. Demain, normalement, demain 14h, petit stream Valheim. Ouais. Pas longtemps, mais stream quand même. La semaine prochaine, il y aura encore du Pokémon Unite, je pense. Bah, Pokémon Unite, je pense qu'on va y... ça sera quasiment tous les jours jusqu'à cet été. Sauf absence, sauf vacances, voilà. Et puis, du coup. Mais dans tous les cas, il y aura d'autres choses. Hein. Plein de jeux en one-shot, des nouvelles aventures. Enfin, oui, oui. Et puis du coup, bah, nous côté Borderlands, quand on fera le prochain stream, on commencera le DLC 4, le dernier DLC, qui sera la révolution des robots ninja. Ok. Sur ce, bonne soirée, bonne journée si vous regardez la VOD. C'était Draken et Jake. Cordialement bisous. Bisous.